live que vous avez énormément apprécié la dernière fois. On va copier les decks de nos adversaires à chaque battle et on va partir dans une nouvelle battle en ladder avec juste après. Vous allez voir, c'est absolument incroyable. J'espère que vous avez vu ce live la dernière fois. Évidemment, c'était incroyable, mais on va le refaire aujourd'hui. Et vraiment, il va y avoir du très très lourd. On va basculer directement sur l'écran du jeu. Oui, je me fais un petit kiff dans ce live. Voilà, je commence en full cam. On bascule après sur l'écran du live avec le jeu. Voilà, on est sur une production de qualité, n'est-ce pas? C'est phénoménal. Je m'enjaille sur très très peu de choses, hein, vraiment. Mais voilà, ça fait longtemps que j'avais pas fait de live. Et du coup, je suis très content de revenir. Ça fait au moins 2 semaines parce que j'étais pas chez moi pendant 2 semaines. Donc voilà. Petit live, ça fait longtemps, on revient un petit peu aux sources avec un concept évidemment totalement incroyable que j'adore. Donc vraiment c'est un plaisir. On a le compteur de pouces bleus, vous le connaissez. On sait pas trop s'il marche ou pas, voilà, c'est une surprise à chaque live, c'est absolument incroyable. Et le compteur bon, d'abonnés, vous savez, il est un petit peu bloqué par YouTube. Il est là, il va pas faire grand chose dans ce live, mais il est là, voilà. Au moins on est bon. Alors je vous vois dans le chat, vous êtes absolument présent, incroyable. Je sens qu'on va passer une soirée les gars, je suis très très content en plus avec un concept génialissime. Avant, le temps que tout le monde rejoigne un petit peu, on va s'ouvrir, regardez ça, c'est incroyable. Je dis beaucoup incroyable dans ce live, oui. Il y a toujours un mot par live, vous savez que je dis un peu trop. Aujourd'hui c'est incroyable. Oh regardez les pouces bleus. C'est incroyable évidemment. Les pouces bleus qui sont là, 229 déjà, vous êtes au taquet. On va se faire... Hey, pour commencer le live, tranquillement, on va se faire un petit pack opening. J'ai pas encore récupéré mes récompenses de saison. Donc allons-y, on commence avec 5000 d'or, comme si j'en avais pas déjà assez. Je crois que j'en ai, voilà, j'en ai 1,8 million. Bon, on prend, hein. moi je prends, hein. Tant qu'on m'en donne, je prends avec grand plaisir. Un petit jeton épique au cas où pour la prochaine carte qui pourra arriver très très bientôt, je l'espère. Le coffre épique, il fait mal. Là, les gars, je vous préviens, le coffre épique, il va faire mal parce que j'ai toutes mes épiques de maxé. Donc elles vont toutes être revendues en Arc-X. 5 électro-dragons, 5 foudres et 9 poisons. Très bien. Et ça fait des étoiles. Et pareil, les étoiles, j'en ai une petite blinde. Voilà, et les étoiles, on se fait plaisir aussi. Regardez ça, j'en ai 250 000. Est-ce que vous sentez la vidéo? Là, je commence à réfléchir à la petite vidéo. Comment gaspiller 200 000 étoiles. Je sais pas encore trop comment je vais la faire, mais je sens qu'elle va arriver un jour, celle-ci. Évidemment, hop, on a 5 000 d'or, on continue. On a encore une fois, pareil, on a le choix des cartes. Bon, on va prendre du rage, de toute façon ça change rien, ça sera revendu, ça fait des étoiles encore une fois. Là par contre c'est intéressant, parce que j'ai pas toutes mes légendaires de maxé, donc on veut quoi? On veut déjà du pêcheur, c'est pas mal parce que je n'ai pas niveau 12, et sinon on veut un truc utile, on veut un truc intéressant au niveau 13, tu vois, un truc qu'on joue, qui peut jouer dans pas mal de decks, un mineur ça serait génial. Attention, la légendaire. C'est de la voleuse. Ok. Bon, ça fait partie du moyen. Oui, c'est pas trop mal. C'est pas incroyable non plus. Tranquille. 5 sur 20. Comme mes notes en prépa. 5000 d'or du coup. C'est pas mal encore. On continue de récupérer tout ça. Un petit jeton légendaire qui va être vendu. Ça fait 2000 d'or. Pareil, les légendaires, je les échange pas pour l'instant. Faut tout que je les émette. Oula. 1, 2, 3. Il faut tout que je les mette au niveau 13. Donc finalement, que ça soit une ou l'autre, je m'en fiche. Coffre géant. Tout va être vendu. Tranquillement. Un prince, 19 Valkyries, 263 boules de neige et 46 méga gargouilles. Ceci dit, j'aurais bien kiffé avoir des golems d'élixir dans ce coffre. On n'en a pas eu, c'est dommage. C'est la seule rare que j'ai pas encore niveau max du coup. Quoique, attendez, parce que 5000 d'or encore une fois. On a... Ah non, on n'a pas. J'allais dire, on a des cash goblins ou éventuellement autre chose. Mais non, on est en dessous en termes de trophées. Va falloir qu'on monte un petit peu en trophée les gars. Il va falloir qu'on monte en trophée dans ce live. C'est quand même l'objectif. Est-ce que j'ai un vestige? Oh oui, regardez ça, je l'avais pas enlevé. Ça, c'est un vestige du dernier live. C'était le compteur, voilà, de victoire, défaite. On va remettre le compteur, évidemment, et on va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire dans ce live. Du coup, on part en 0-0 tranquillement. Et vous savez que le principe, du coup, c'est de copier les decks de nos adversaires. Bon, il se trouve qu'on n'a pas encore joué une game. Donc, je vais prendre le deck, parce que j'aime bien faire le malin en miniature. Vous avez vu la miniature, vous avez vu le deck. Eh oui, vous le voyez venir. On va jouer ça pour commencer. Bah oui, il faut... Voilà, je fais le malin sur les miniatures. NDR, on fait des têtes bizarres. Maintenant, derrière, il faut assumer. Donc, on va assumer. On va commencer avec ce deck. Bon, on a un bâtiment. On a un combo. Ouais. C'est pas dingue. Non, c'est vraiment pas dingue. J'essaye de positiver un petit peu. C'est pas ouf. On va quand même essayer avec ce deck en ladder. Je suis actuellement à... je suis à combien de trophées? Je suis à 5139. Ça passe.
On est quand même assez bas, donc à mon avis, on va avoir des decks un peu chelous en face. Les gars, on se chauffe. Les gars, on y va. J'espère que vous êtes chauds. Évidemment, bonjour à tous. J'ai pas regardé tout le monde qui arrivait sur le chat. Vous êtes déjà plus de 1000. Vous êtes déjà plus de 1000. Les gars, j'ai à peine fait l'intro du live. Ça va pas du tout. Vous êtes déjà plus de 1000. Merci à vous d'être là sur le live. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Enfin, bonjour à tous les sponsors. Et directement, Vitality Mecha qui régale. Merci à toi. Yoachak, ça va. C'est quand que tu aurais fait une vidéo avec JS où vous trollez en 2v2? Alors ça, Mika, c'est prévu. Je sais pas quand je pourrais le faire avec JS, mais c'est totalement prévu. Peut-être que j'essaierai de passer chez lui ou lui chez moi, je sais pas, un truc comme ça pour qu'on se fasse un live à deux. On veut faire un live en 2v2, c'est prévu. Peut-être que ça sera en 2020, je ne sais pas, mais il y aura un jour un live 2v2 avec JS. Ça, c'est dit, ça, c'est promis. Ça sera peut-être dans 6 mois, mais il y en aura un, ne t'inquiète pas. En tout cas, un grand merci à toi, ça fait super plaisir. Je vous fais pas attendre plus que ça, on part directement dans cette nouvelle arène. Eh les gars, on est quand même sur un thème. J'aurais dû me faire un overlay comme ça avec une petite boule disco et tout, ça aurait pu être sympa. Mais cette nouvelle arène, elle est vraiment très cool. Et on est contre VR6 qui nous vient de Royal Legend 2. Un clan avec le drapeau français, très bien. Je sais pas s'il est français, peut-être, hein, c'est possible. Et on va commencer tranquille, parce que je rappelle quand même qu'on a un deck pourri à la base. Aïe, 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 attendez, parce que là on a une alerte ballon. On a les trois mousquetaires qui vont pouvoir faire un truc éventuellement. Alors si ça tape, hein, si ça tape. Quoi, le ballon qui met un coup? C'est scandaleux, c'est scandaleux. Je vais rager dans cette vidéo. Ça y est, je vous le dis, je vais rager. Je vais essayer de partir à droite parce qu'à gauche, c'est sûr qu'il va défendre. Oh, quoique, il défend à droite. Ouais. Bon, on a pris cher, globalement. Je sens très mal. Je sens qu'on va partir sur une défaite d'entrée de jeu. Ça ne va pas du tout. Ça ne va vraiment pas. Ok, il y a une Valkyrie. Vous voyez que... J'ai rien en main, hein. on est sur du soin. J'ai trois cartes mortes, j'ai soin, rage, vraiment nul. Et éventuellement du clonage que je peux mettre pour surprendre, mais bon, faudrait que je le garde un petit peu en surprise. Ça dépend ce qu'il met à droite. Attendez, s'il met rien à droite, moi j'y vais. Hein. Moi j'y vais quand même. J'y vais, méga chevalier ou pas, j'y vais. Bon, ça a pas été dingue. On l'a même pas mis midlife. Oh là 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 là, c'est terrible, parce que là il met un ballon derrière. Là il met un ballon derrière, c'est sûr. Je vais essayer de mettre... Ouais... Ça tout. Elle était pas ouf, hein, cette tour. Bon, je vous l'accorde. Est-ce que ça défend? Ça devrait défendre. Ah ouais, mais là. Forcément, le ballon qui va pop. Je peux pas défendre ça. On va pas se. Hein. On va laisser la tour. Et on va mettre les trois mousquetaires ici. Qui, elles, vont. Non, mais faites gaffe au bébé dragon! Un truc, hein. C'est vraiment, on est vraiment dans du désespoir. Quoique j'ai le sort de soin, j'avais oublié. J'avais oublié ce détail. Ah ouais, mais il a la Valkyrie, ça aussi j'avais oublié. On est tellement pas bien. Là il faut aller chercher la tour, hein, d'une manière ou d'une autre. Ok, il reste 45 secondes. On va partir dans le fond du terrain parce qu'on a que ça à faire quoi qu'il arrive. La chance que je pourrais avoir, c'est qu'il essaye de trop bourrer. Trop bourré. Il a quand même un ballon qui arrive sur ma tour. Mais regardez, avec les trois mousquetaires ici, qui peuvent aller gérer ça. Ah ouais, mais non, on se fait déglinguer. Je peux rien faire. Je peux strictement rien faire. Mais c'est même pas assez rapide. Là, j'essaie de faire un truc, mais c'est foutu. Eh bah, les gars, je sens que ce soir, ça va être sportif. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes bien attachés. Parce que je sens que on va avoir du mal. Alors attendez, on va pas tricher, on va update le score. C'est parti, non. Comme ceci, voilà. 0-1 pour commencer ce live d'exception, n'est-ce pas? Moins 26 trophées, quel plaisir. Change ce deck. Ah non, mais ça, c'est prévu. Ne vous inquiétez pas, on va changer ça. J'ai que des défaites, hein, dans mon truc, hein, vraiment. C'est incroyable. Alors, hop, on va aller prendre le deck du coup de VR6 très rapidement. Bon, c'est quel emplacement que j'ai? Ok, c'est numéro 3. On va aller copier le deck directement. Bam, bam, numéro 3. Bon, après, il a un deck qui est peint, pas trop mal. On s'est fait déglingue. Mais ça veut pas dire que le deck est bien en face. Il a quand même un deck ballon avec des flèches et rage. Mais bon, je pense que c'est mieux que le deck qu'on vient de jouer. Vous me l'accorderez. Je pense que c'est quand même mieux. Pendant qu'on a eu un don en même temps de la part de Osura Glitcher. Salut, désolé pour 2€. Mais c'est très bien. Pourquoi tu t'excuses, Glitcher? Merci à toi. Ça fait plaisir.
Bon les gars, j'ai pas envie de rester sur une défaite, ok? J'ai pas envie de... J'aime bien discuter, vous le savez que j'aime bien me poser, mais j'ai pas envie de rester sur une défaite, je veux qu'on aille un petit peu taper des gens. On va directement faire une victoire et après on se pose. Et après ça va. On est contre Dexter, c'est parti. On va commencer tranquille dans le fond du terrain, on peut... Là ça y est, là on a quand même des cartes dans ce deck, on va pouvoir faire un truc, à peu près, j'espère. D'ailleurs, oh, j'avais pas tilté du tout. Mais regardez Dexter qui a déjà débloqué le skin de cette saison. Il est quand même... Ah, non, les gars, vous en pensez quoi de ce skin? Sincèrement, regardez ce truc. Sort d'orage. Sort d'orage tous les jours. Bon, Dexter, il m'a l'air chaud, hein, parce qu'il a un petit archer magique tranquillement doré. Dexter, il a l'air bien vénère en face. Il a dû gémir pour avoir en plus le skin de tour. Non, attendez, qu'est-ce qu'on... Je... Armée de squelette, je sais pas trop quoi faire. Pas ouf le skin. Ah, sérieux, Wazer? Non, arrête, le skin il est vachement sympa. Il y a des petites feuilles comme ça qui sont très sympas. Des petites guirlandes qui rappellent Noël, mais pas trop. Ok, donc on a du golem en face, le plus grand des calmes. Moi j'aime bien. Non, en vrai, le skin je trouve sympa. En plus, quand c'est nous qui avons le skin, on a une sorte de fontaine d'or. Enfin, c'est vraiment stylé. Attendez, parce que là on est en situation... Oh là 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 là, c'était pas une bonne idée forcément de mettre les flèches parce que du coup il y a des bats qui sont là. Et je ne peux pas défendre les bats. On a une Valkyrie qui tape à droite, on a plus de tour à gauche. Donc bon, c'est très sympathique. Et je ne peux rien faire, là il y a un archer magique, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Oh aïe aïe, c'est terrible. Je suis obligé de mettre une armée de squelettes derrière. C'est vraiment pas ouf là, c'est vraiment pas ouf. Je peux rien faire, la Valkyrie qui me déchire. Là, pas la Valkyrie, la sorcière. Je sens pas du tout ce live. Je ne sens pas du tout ce live. Bon, c'est pas fini. On rigole. Mais là, voilà, le ballon qui va partir directement, tout droit. Et là, on va juste défendre. Enfin, juste. On va défendre. Déjà, c'est le plan. On va envoyer une mousquetaire dans le fond du terrain. L'idée, c'est de prendre la tour de gauche. Et de défendre le golem, en gros. Bon, maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ok, on va mettre une armée squelette ici pour aller défendre tout le monde. C'est pas trop mal, ça va gérer tout ça. Il a utilisé sa bûche, mais mal. Ok, on défend ça. On va envoyer des flèches ici. Mousquetaire là. On prend quand même tarif sur la tour. La Valkyrie qui vient sauver le truc. Ok, c'est pas fini. C'est absolument pas fini. Là maintenant, s'il te plaît, pose un golem. Pose un golem pourri dans le fond du terrain. S'il te plaît, soyons potes un peu. Go. Juste go. Tout droit, les gars, tout droit. Vous allez tout droit jusqu'à la tour. On s'arrête pas. Le ballon, go, 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 go. Les flèches qui vont tomber. Je veux pas qu'il me gère ça. Et le ballon qui va finir la tour. Merci, bonsoir. Good game, well played. On a eu du bol qui met un golem. Parce que sinon, j'étais vraiment, vraiment dans le mal. Eh, j'ai cru que ça partait en double défaite d'entrée de jeu. J'étais pas bien là, j'ai le cœur qui bat. Ça va pas du tout, pourquoi je me mets dans cet état là? Je vous jure, j'ai le cœur qui bat. J'ai perdu l'habitude de faire des lives en fait. J'ai perdu l'habitude de cette pression. Incroyable, hop, on va débloquer ça. Je vous jure que j'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Mais ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui se passe? Bon, eh, par contre, le deck de Dexter il est sympa. Le deck de Dexter, il est vraiment sympa, on va se faire plaisir sur la prochaine battle. On revient un petit peu aux sources en plus avec du golem foudre. Mais avec un petit clonage pour l'originalité, je sens que ça va être très très cool. Pendant qu'on a un petit don de la part de Queen, merci à toi Queen. On contribue au prochain chocolat viennois. Merci à toi. Alors. J'ai le cœur qui va, il bat tout le temps, je te rappelle. Oui, non mais Viking, t'as compris ce que je voulais dire. tu as capté. Et en vrai les gars, je sais pas ce que vous pensez de ce deck. Je pense qu'on va se faire plaisir. Je pense que là, le prochain adversaire qu'on va avoir, il va voir flou. Il faut. Absolument. Ah oui, 1-1, vous avez raison. Faut que je pense au score à chaque fois. Alors, attendez, parce que j'arrive pas à le modifier. Ça va pas du tout. On est manchot dans l'équipe. Hop, 1-1. Tout va bien, on est... 50-50. C'est ce que je vise, hein, vraiment. Si on finit le live en 50-50, on est bon.
c'est là que tu te manges un PK. Mais en vrai, PK, je pense qu'on le passe hein, avec le clone. Les gars, je vous dis, ce deck, il est bon. Je vous dis ce... Hey. Je vais vous montrer par A plus B. On y va. Ça date hashtag, mais quel plaisir de te voir en live. Merci à toi. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Hein, ça va pas du tout. Et d'ailleurs, il y a un autre live demain. Ah oui, parce qu'on régale. On régale. Ça sera sur Brawl Stars, par contre. Ça sera pas du Clash Royale. Mais il y aura un live demain. Il y a un petit event et tout que je vais faire... que je vais faire en live qui va être très très sympa. Alors. Ok, attendez, parce que ça m'arrange pas. Il y a un géant en face. Avec surtout un archer magique qui va me saouler comme Jaja. Je vais essayer d'aller gérer avec le bûcheron. Ok, ça c'est fait. Et je vais essayer de mettre une Nightwitch ici pour essayer de sauver mon archer magique. C'est pas trop mal. En vrai, ça va. On s'en sort. Tout va bien. L'essentiel là pour l'instant, globalement, c'est vraiment juste de résister. Bon alors par contre, on a vraiment une main de merde là. On peut pas balancer. Mais c'est pas dingue. On va cycler avec la bûche. T'en penses quoi du golem d'élixir? En vrai, alors, il était très très bon. Enfin, trop bon en fait, la saison dernière. Là, je sais pas trop. Avec le nerf, j'ai pas trop essayé encore. Ça a l'air d'être un peu plus équilibré, voire un peu mauvais. J'ai pas trop suivi, pas trop testé encore une fois, mais bon. Il faut voir. Bûcheron qui va tanker encore. On va faire le même schéma, hein. Vraiment, on va pas s'embêter. On va refaire exactement la même chose. Est-ce qu'il fallait pas un petit truc en plus? Si, il fallait en plus, il fallait en plus. Et là, on va prendre un petit peu de tarif. J'aime pas les géants, ça te met une pression de malade. Je déteste ça. Bon par contre là on va arriver dans notre terrain de jeu. Là les gars on arrive en double élixir. J'aime autant vous dire qu'on va balancer la sauce et vous savez que... Non mais c'est pas de ce côté là que je voulais. C'est pas grave, on part à gauche. On s'adapte. Et là par contre on est très bien. Regardez, déjà on a l'avantage d'un élixir. Et en plus on a un truc qui arrive du côté gauche. Les gars vous n'êtes pas prêts. Là par contre j'ai pas grand chose donc ça m'embête. Mon bébé dragon il a fait quoi là? Eh oh, le bébé dragon qui s'est barré. Mais attendez, attendez, parce que là, je rigole plus, là. Là, ça me fait plus rire. J'ai chopé de... Oh non, la sorcière qui s'est passée avancée. On y va. Je chope le golem, évidemment. Stacklone tout ça sur la tour. On va prendre la tour de gauche quand même. C'est l'essentiel. Et maintenant, évidemment, on va partir à droite. Non, on va d'abord tempo, parce qu'on sait qu'il va partir en géant à gauche. Non, les gars, je suis en train de bégayer, là. Je sens pas ce push à gauche. Je sens que j'ai fait une bêtise là. Petit bûcheron défensif. Je cycle sur la foudre en fait. Pour la mettre maintenant. S'il vous plaît. Ok, ça tombe sur tout le monde. Ça c'est fait. Et là normalement on devrait être tranquille. On devrait pouvoir partir tranquillement en golem. Juste là. Il peut partir avec un géant corner. Mais on a de quoi défendre. L'archer magique qui va faire le travail. Je sens... Attendez, c'est pas fini. On a une petite bûche qui va se mettre très bien. Oh là là, on prend tout avec la bûche en plus, c'est phénoménal. Un bûcheron quand même en plus, au cas où. Et ici, regardez l'archer magique qui va taper sur la tour avec le bébé dragon. On va se mettre beaucoup trop bien là-dessus. Juste un bébé drag à gauche parce que sinon on prend cher. Ça m'a l'air pas mal, regardez ça, petit clonage. Pour avoir double golem, les deux qui vont exploser sur la tour. On a tout ce qu'il faut pour aller finir. Good game, well played. Je sentais bien ce deck, je le sentais bien. Bon, on a un petit peu bégayé à un moment donné. Mais bon, tout va bien. Plus 28. Et on a 2-1. Et oui, on passe en positif. Et ça, c'est l'essentiel. Je crois que dans le dernier live qu'on avait fait avec ce concept, je crois qu'on en avait un petit peu eu du mal au début du live. On avait vraiment galéré. Hop, alors, on va valider ça pendant qu'on a un nouveau don, mesdames et messieurs, de DQ. Des coups, je ne sais pas comment on dit, des coups 60. Ajoute-moi, on fait des 2v2. Bah là, du coup, je peux pas t'ajouter maintenant parce que, enfin, déjà, j'ajoute que les sponsors en ami, il faut le savoir. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que je fais pas de 2v2 pour l'instant parce que, du coup, on est parti sur un live concept. Mais en tout cas, merci à toi pour le don, ça fait plaisir. Alors, attendez. Parce que là, bon, les cash goblins, on s'en fiche. Là, il me faut 50 golems élixir, ok? On arrête de rigoler, il me faut 50 golems élixir, s'il vous plaît. Évidemment, c'était certain. On prend quand même un essence en étoile. C'est décevant, j'ai juste envie de golem élixir, les gars. J'en ai combien? Il est là, je suis à la moitié du niveau 11. Eh les gars, oh, vraiment.
Donnez-moi du golem élixir, c'est tout. On débloque un petit pass, une petite step. Comment... Un niveau, bref, je suis perdu. On débloque du coup un coffre dans le... dans la route, non pas... Mais je suis perdu, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à parler. Vous avez compris ce que je veux dire. On débloque un coffre dans le pass royal, voilà. C'était pas compliqué. Bon, on n'a rien eu dedans. Bon, ça c'est autre chose, c'est un autre problème. On va essayer d'aller chercher, je sais pas si c'est possible d'aller chercher dans ce live le skin de tour, ça serait cool, il y a quand même 10 paliers. Des paliers, voilà, c'était ça le mot que je cherchais. On galère. On galère. Alors, on va mettre ça sur la file évidemment, et on va repartir. Il nous jouait quoi du coup, notre ami de Iranbax? Il nous jouait un petit deck géant, un peu chelou. Ok, bon, pourquoi pas. Hashtag, tu penses quoi de l'abandon de Rush Wars? Ah, bonne question. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose parce que le jeu n'arrivait pas à évoluer. Clairement, c'était sympathique les deux premiers jours, puis après, ça devenait un petit peu relou. Et ils n'ont pas réussi à rectifier le tir. Du coup, plutôt que d'essayer de sortir un truc à tout prix et vraiment pas ouf, ils ont décidé de rien sortir du tout. Et du coup, ça veut dire qu'ils vont concentrer leur effort sur les autres jeux qui, eux, ont du potentiel. Donc au final, c'est une décision difficile pour eux, évidemment. Parce qu'ils ont bossé, enfin faut pas croire, il y a quand même des équipes qui ont bossé dessus pendant super longtemps, il y a aussi beaucoup d'argent qui a été investi forcément. Mais je pense que c'est une bonne décision finalement sur le long terme. J'espère que ça répond à ta question. Alors, on va partir tranquillement, sorcière dans le fond du terrain. Ah par contre le poison ça va être relou. Ah le poison il va être relou, il va littéralement tout prendre. Alors attendez, parce que là on est un petit peu en situation problématique. On a vraiment tout qui est sensible au sort dans ce deck. C'est absolument l'horreur. Mais bon, on va s'en sortir. Ok. On va... Tempo. Tranquillement, on a quand même... Ok, on a un PKK en face. Très très bien. Gobelin lance juste ici. Et là le problème c'est que s'il me met un poison, on n'est pas bien. S'il me met un poison, on n'est pas bien. S'il me met un poison, on n'est pas bien. S'il me met un poison, on n'est pas bien. On n'est pas bien tout court. C'est bon. Je sais pas comment on a géré ça, mais on l'a géré. C'est l'essentiel. Ok, tout va bien. Tu peux débloquer uniquement 4 paliers hashtag comme la nouvelle saison vient de commencer. Non, j'ai le pass royal moi. Quand t'as le pass royal, t'es pas limité en termes de nombre de paliers. Tu peux débloquer les 30 d'un coup si t'en as envie. Du coup, non, on peut faire un bon gros rush là dans ce live si on met les 3 couronnes. Ce qui est un petit peu mal barré étant donné qu'on va jouer des decks un peu chelous. Pour l'instant, on a vraiment eu des decks chelous. On n'a pas eu de deck méta. On est vraiment dans de l'originalité. Mais ça se passe pas mal. On est en 2-1. Voilà, par contre, le PK, il va être vraiment relou. Parce que on n'a rien dans le deck pour aller le gérer. On a éventuellement là. Si, on a la sorcière, mais il a poison. Donc bon, on est un petit peu limité dans nos options. Ah, attendez, quoique. Parce que là, il vient de tout claquer. Ah ouais, mais insupportable. Attendez, parce qu'il a le dart derrière. Qui va tout supporter à chaque fois. Ok, là on a un truc. On se fait éclater pour l'instant, je vous l'accorde. Mais là on a un truc, parce qu'il vient de mettre le poison. Donc on va vraiment bourrer, on va vraiment bourrer comme des... Ah ouais non mais il a la Valkyrie, c'est insupportable. Quoique il a pas eu la... Il a pas tout eu, attendez, il a carrément pas tout eu. Je peux remettre une sorcière derrière. On va essayer de tout faire passer, Le dart qui se fait prendre par le bébé dragon, regardez ça ce push. Mais oui le push de l'infini. Et le poids, oh, le poison qui arrive trop tard. On prend la tour. Et derrière, on n'a plus qu'à défendre tranquillement. Il n'aura pas le temps de revenir dans la guerre. Ah, les gars, on est des génies. Le move qu'on vient de faire, c'est pour ça que je joue à Clash Royale, les gars. C'est pour ça que j'y joue. Incroyable. Ah, là, je suis fier. Là, je suis très, très fier. Admirer ce plus 30 trophées. Parce que celui-là, il était vraiment beau. On va modifier le score tout de suite. 3-1, mesdames et messieurs. Et au final, pour l'instant, on s'en sort plutôt pas mal. Mis à part le premier deck avec lequel j'ai troll. Mis à part ça, on est pas mal. Alors, pendant ce temps-là, pendant la battle, j'ai loupé un don de Thomas. Merci à toi, Thomas. Salut, hashtag, tu peux me faire une dédicace, s'il te plaît. Bah voilà, t'as eu ton remerciement. Merci à toi pour le don. Ça fait super plaisir. Tu utilises quoi comme logiciel pour casser ta tablette sur le PC? Alors, Denis, c'est un truc qui s'appelle un... là je peux le montrer, là j'essaie de pas trop toucher les fils parce que sinon ça va partir en steak. C'est en gros c'est un boîtier d'acquisition. Et donc en fait il y a mon iPad qui est relié à ce truc là. Et ce truc là qui part dans l'ordinateur.
Ensuite, j'ai un logiciel qui met tout le bordel sur... enfin, j'ai OBS qui met tout le truc sur un même écran. Et c'est ça que j'envoie en live. C'est un peu technique, mais ça marche. Ça marche plutôt pas mal. Et merci à toi, Kaiser. Kaiser the best. Merci à toi pour ton nom, ça fait plaisir. Alors attendez, parce que là, on va pas se ramollir. On va continuer, évidemment. On va choper les decks. Hop, juste ici. Et du coup, on a un bon deck. Et je veux pas balancer, on a un bon deck. On a un petit PK Cabane à l'ancienne, les gars. PK Cabane à l'ancienne. Ça nous rappelle un petit peu du Lupanji. PK Cabane avec du mineur poison pour aller gratter. Je trouve ça très très bon. Je pense que ce deck, on va gagner avec. Salut Hachek, c'est quand le prochain deck que tu présentes? Je sais pas exactement, Mathis, mais j'ai déjà repéré 2-3 trucs sympathiques. J'ai déjà repéré 2-3 decks que j'ai envie de présenter, qui sont vraiment intéressants. Il faut que je commence à bosser un petit peu là-dessus. Ok, on est parti, on est contre Kratos, mesdames et messieurs. Kratos 24. Alors, on va commencer tranquillou. Petite cabane au milieu, on en a l'habitude. Ah, et on a un nouveau sponsor, mesdames et messieurs. Maxime Beausoleil, bienvenue à toi dans la famille, Maxime. N'hésite pas à envoyer ton tag Discord sur le chat, comme ça on t'ajoute au serveur des sponsors. Merci à toi. Alors attendez, le dart qui va partir juste ici. Tranquillou. Hashtag, tu trouves comment la sorcière? Perso, je la trouve plus trop ouf. Alors, pareil, ça j'ai pas testé dans les détails. Mais j'admets que sur le papier, ça fait pas trop envie. En fait, le gros nerf de la sorcière qui la rend vraiment pas ouf, c'est le fait que les squelettes mettent du temps à spawner. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que du coup, elle perd sa réactivité dans les défenses. Du coup, ça devient une carte un peu moyenne. Et vous savez que la sorcière, moi, c'est une carte que j'aime beaucoup. Du coup, je suis un peu déçu, j'avoue. C'était cool la saison dernière. Elle était un peu trop forte même. Mais là, j'avoue qu'ils l'ont un petit peu déglingué. Alors attendez, la Valkyrie qui va se faire éclater la tête. Ça, c'est pas dingue. Faut attendre, cochon, cochon, cochon. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que je fais dans ce live? C'est pas possible. Je mets tous les trucs à gauche. On n'a pas pris trop cher. Ça passe encore. Et du coup, bon, ouais, ceci, ça va gratter à gauche. Hein. C'est pas si mal que ça. On va défendre tranquillement. On va prendre notre temps dans ce live, tranquillement. Prends notre temps dans les battles. On se met bien. On les gagne. On tryhard un petit peu, les gars. On veut monter en trophée, évidemment. Pour l'instant, on est pas mal. Ok. Ça part en gang. On arrive en double élixir. Je pense qu'en vrai, je vais juste défendre avec un PK à droite. Et on va continuer de gratter à gauche. Hein. Regardez ça. C'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de faire à gauche. On peut éventuellement partir avec un dart. Aïe, 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 aïe. Attendez, attendez, attendez. On va rien partir du tout. On est mal, on est mal. Oh, mais là. Cette boule de neige. Nul. Cette boule de neige, mais pourrie. Je vais essayer de gratter un peu à gauche. Pas forcément dingue. On se fait mettre pression hein, sur cette battle. Oh, attendez, quoique. Attendez, c'est pas mal là, ce qu'on est en train de faire. Petit poison. Le PK qui va aller gérer la cabane. Ok, on va faire ça comme ça. On peut se prendre un coup de cochon, c'est pas très grave, on n'a pas besoin de défendre plus. Ok, on n'est pas tant derrière que ça, hein. Je sais pas comment on s'est retrouvé ici, mais on n'est pas trop mal. Ce dart était nul, on peut le dire. Oh, par contre, il a mis la bûche, voilà, c'est ce que j'attendais. Parce que du coup, on va pouvoir partir comme ça, là, c'est une erreur qui va lui coûter la game. Regardez ce push qu'on est en train de mettre du côté gauche. Bon, il m'a bien pré-shot, j'admets. Mais on a quand même un truc pas mal. Regardez les gobelins qui sont sur la tour qui vont énormément gratter. Ça, ça fait plaisir. On va partir en PK juste ici pour aller défendre. Et derrière, voilà, on a la cabane si besoin pour aller attirer le cochon. On l'a vu venir de la même façon. La bûche qu'il a essayé de pré-shot, mais c'était pas au bon endroit. Et là, on se met trop bien. Regardez ça. Le gang de gobelins qui va partir. Le mineur qui va être envoyé derrière. Normalement, les gobelins, ils vont passer. Hein. Ils vont pas se faire éclater dans la bombe. Et du coup... Ah, il a bien géré, il a bien géré, il a bien géré, j'admets. Mais bon, là, tranquillement, on est au niveau 13. Du coup, on va simplement balancer les sorts. Et ça devrait être suffisant. J'ai pas compté, donc j'espère. Ça passe. On est bon. Tout va bien. On arrive à gagner contre Kratos. C'était pas gagné à la base, mais on a bien remonté. Good game, well played. Les gars, on gère de ouf. Et vous êtes d'accord, on est en train de gérer de ouf ce live. Encore une fois, bon, on commence par une défaite, certes. Mais sinon, je trouve qu'on est plutôt pas mal.
Et pendant qu'on a du coup Kaiser the Best qui a fait un don tout à l'heure, qui devient membre, bienvenue à toi, ça fait super plaisir. Comme pour Maxime, n'hésite pas à envoyer ton tag Discord dans le chat, comme ça on t'ajoute sur le serveur des sponsors. Et merci à vous deux évidemment pour le soutien, ça fait super plaisir. Alors, j'ai mon petit... j'ai pas de bouteille d'eau aujourd'hui. On est en rade de bouteille d'eau, du coup j'ai pris un verre. Ce qui est très classique, hein, n'est-ce pas? Mais qui marche quand même. Ah, on a 40ème les gars, on se fait plaisir. Ça payera un demi-super défi où je vais aller troller évidemment dans une prochaine vidéo. Et on est bientôt, et attendez, on est bientôt maître 2. Parce qu'on rigole, mais on est en train de monter en trophée. Et ça c'est pas trop mal. Je vais vite aller, oh. J'avoue, j'avais pas capté le deck de Kratos, mais en fait... La prochaine battle va pas être évidente. Allez, non mais... Ouais. On n'est pas sur un deck incroyable, là, actuellement. Je sens que ça va être compliqué. Tu rates tout, mais ça passe quand même. J'avoue, j'ai fait 2-3 misplays. Non mais j'admets. Mais, ça passe. Tranquille. Hashtag des nouvelles de Rush Wars. Ah, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, aka Dace. Je sais pas comment on dit ton pseudo. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Rush Wars, eh bien, va s'éteindre, cher ami. À la date du fin novembre, je crois. 30 novembre. Et ceci n'est pas une blague. Mais je fais vraiment n'importe quoi aujourd'hui. La Tesla n'a aucun sens. Mais bon, elle est là. Tranquillement, on va envoyer un petit chevaucheur ici. Qui va faire le travail. Petite pression. Ah! Je la sens pas cette battle, je vous le dis, à mon avis, on est sur une deuxième défaite. Je pense, je veux pas être négatif, hein, mais je la sens pas trop. On a vu mieux. Ah, il joue PK. C'est le pire truc qu'on pouvait avoir en face. C'est-à-dire que vraiment... Non seulement on a battu le type d'avant avec un PK, mais surtout, je vois pas comment on peut vraiment passer en fait. Ah! Je crois que le PK qui a une portée de 3 km maintenant, je préfère mettre une bûche. J'étais pas sûr que ça passe. C'est un peu tendax, hein. Ok, on va partir en cochon maintenant. Je suis stressé sur cette battle, qu'est-ce qui se passe? Ok, la tornade. Ah, ça aussi j'avais pas prévu. Alors attendez, est-ce qu'on peut mettre un esprit? Ah, ça a quand même tapé, c'est dommage. Bon là, ceci dit, s'il met le PK, ça m'arrange. Parce que s'il met le PK... Ah, il met pas le PK. Bon, on va quand même le forcer. On va forcer le truc. Bon, même si le sorcier derrière, finalement... Oh, attendez. Attends, oh, la bombe. Oh, il va pas défendre. Il avait rien en main. Le jeu en squelette qui allait tout droit sur la tour. Ça fait plaisir. Là, je dis oui. Attendez, est-ce qu'on pourrait arracher la victoire? Ça serait incroyable. On va mettre la pression avec un petit chevaucheur de cochon. Évidemment, le prince ténébreux qui est là derrière pour aller supporter tout ça. Le petit coup de cochon qui va passer. Ok, maintenant on prépare la défense. Maintenant, c'est la Tesla au milieu du terrain. Squelette géant ici. J'essaie de gagner du temps comme je peux. Et c'est pas trop mal, regardez ça! On s'est pris un seul coup de cochon sur le push. Non mais les gars, on est on fire aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Bon, les bats m'embêtent, hein, parce que j'ai rien pour défendre à chaque fois. Là, le cochon, il passera pas. Ça fait combien la roquette? Niveau max. Oh, ça passe. Bah voilà. Deuxième Tesla. On va blinder au milieu. On va blinder, les gars. La petite roquette qualitative. Oh là 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 là, les gars. Quel joueur phénoménal. C'est incroyable ce qu'il se passe ici ce soir. Bon, j'ai envoyé un cochon histoire de dire que... Mais tranquille. Tranquille, on la joue tranquille. On cycle sur la roquette. Le cochon peut-être? Non, il va être tornade. On va cycler sur la bûche. Et la roquette qui va partir sur la tour, mesdames et messieurs. Good game. Well played. On gère de ouf, les gars. C'est incroyable. Je pensais pas autant gagner, je vous le dis. En plus, on n'a pas non plus eu des decks faciles, hein. Mais on arrive à bien s'en sortir, 5-1 pour l'instant. Et merci à toi Wheezy pour ton don, petit bonjour de Toulouse frérot, merci à toi, ça fait plaisir. Dites-moi un petit peu dans le chat, ah ouais vas-y, petit sondage, enfin sondage, on est 3000 donc ça va être gros bordel, plutôt que petit sondage. Mais dites-moi d'où est-ce que vous venez?
Parce que je sais qu'on a souvent des gens de partout, déjà partout en France, mais aussi je sais que c'est pas que en France, il y a vraiment des gens de partout qui regardent les lives en général, et c'est incroyable de voir dans le chat d'où tout le monde regarde. On est en mode, c'est incroyable. Voilà, le bordel. Je vois du Orléans, je vois du Maroc, je vois du Marseille, je vois du Caen, je vois du Nice, du Lille, du Vaucluse, je connais bien le Vaucluse, du Pays Basque, Toulon, Amiens, Belgique, j'habite à Avignon, Troyes, Cavaillon, il y a beaucoup de sulistes. Je vais prendre l'accent, les gars, pour vous. Lyon, Suisse, Nice, c'est incroyable. En vrai, c'est ouf. Je trouve ça ouf qu'on se réunisse tous comme ça sur un live pour passer un bon moment. Voilà, c'est la beauté d'Internet et ça, je kiffe. On l'apprécie pas assez. Alors attendez, pendant que... c'est le bordel sur le chat, j'ai mis le bazar. On va copier évidemment le deck. Petit deck PK cochon pour enchaîner. PK cochon boule de feu. Chypre. Oh, on a quelqu'un de Chypre. Incroyable. Nouvelle-Calédonie. Oh, ça y est. Là, ça renchérit. Là, c'est le bordel. On va avoir des gens de Corée du Nord bientôt. Canada. Ouais, c'est vrai qu'on a, vraiment pas. Pologne. Ouais, on a vraiment de tout, hein, sur le chat. C'est incroyable. Alors, les gars. En vrai, je pourrais passer mon live à vous lire. Parce que franchement, je trouve ça incroyable. Je vois du Madagascar, de la Russie. Enfin bref, il y a vraiment des gens de partout et ça c'est vraiment vraiment stylé. Alors on va repartir en même temps parce que je vous jure, je trouve ça incroyable qu'on se réunisse tous comme ça et qu'il y a vraiment des gens de partout. C'est franchement stylé. Même moi je suis pas en France, hein, d'ailleurs. Vous savez peut-être. Alors attendez, on est reparti. Concentrons-nous les gars quand même un minimum parce que je veux continuer ce petit win streak. Je vous lis toujours, hein, sur le chat, c'est incroyable. On va pas continuer comme ça toute live parce que ça va être le bazar sinon. Alors, les gangs, enfin le gang, enfin du coup les gangs, enfin bref, vous avez compris. Qui partent de partout, on va appuyer avec un chevaucheur tranquille à droite. Ça va mettre son coup. Tranquillement, c'est deux coups même. Est-ce que vous pensez qu'avec ce deck, il y a moyen de faire un truc? Parce qu'il me paraît quand même compliqué, hein. Bon, on a du cochon qui peut gratter, c'est pas trop mal. Il est, bon, ouais, ceci dit, il est complet, hein, à mon avis, c'est pas trop trop mal non plus. Ok, c'est du cochon. Tranquillou, on va mettre un PK ici, on rappelle le PK tape à 2 km. Donc, c'est incroyable, donc il finit le cochon tranquille. Le petit zap qui part ici. On est pas mal. Est-ce que j'appuie? Ok, il y a un PK en face. On met là. Non, c'est pas ça que je voulais mettre. J'en avais besoin pour défendre du PK. C'est un cochon que je voulais mettre à gauche. Mais c'est terrible. Non, mais les gars. Qu'est-ce qui se passe ce soir? J'imagine qu'il a un zap, sinon c'est pas drôle. Oh, quoique. Attendez, quoique. J'ai parlé trop vite. Ah, il a un électro. Bon, ça va quand même taper sur la tour. Petit sorcier. La boule de feu qui était pas dingue. Ok, bon. On est pas trop mal. Là, je suis un peu embêté parce que j'ai envie de garder mon PK pour son cochon. Donc, je vais cycler. Je suis vraiment en train de tryhard. Hein. On est vraiment d'accord. Je suis en train de tryhard ce deck. Oui. Et le cochon qui tapera, malheureusement. Par contre, là, à mon avis, on a une bonne contre-attaque. Qui peut un petit peu le prendre de court. Parce que, regardez, on va avoir du coup le chevaucheur qui va partir derrière. Petite boule de feu, peut-être, qui va partir sur tout le monde. C'est pas trop mal. J'aurais presque pu zap. Non, ça va, il va réagir. Ça sert à rien de zap. Rajoute un truc, ok. 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 Ça passe. Chevaucheur qui va partir derrière. On met un petit peu la pression. Ah, j'ai plus le zap. Et il joue bien quand même en face. Attendez, il joue pas trop mal. On n'aura pas le deuxième coup non plus. Attention, parce que ça peut aller très vite, hein. On est légèrement devant. C'est cette battle. Attendez. Concentrons-nous. Cette battle, elle est tendue. Parce que cette battle, il peut nous la voler à tout moment. Il joue pareil que nous, en fait. Il joue aussi PK cochon. C'est une mode ou quoi, les gars? J'ai loupé un truc. Ok, je vais faire la même. Bout de pesap. Direct, on gratte. On va simplement gratter. Mais il joue vraiment le même deck ou quoi? Sans rire. On
va la jouer avec ce combo et c'est pas trop mal. C'est vraiment pas trop mal. Ah, ça va taper sur la tour malheureusement. Aïe aïe aïe. Ah. Chevaucheur peut-être. S'il te plaît, mets un gang. Il mettra pas de gang. La boule de feu qui va partir. Oh mais du coup avec le zap, ça fume. J'avais oublié qu'on était en ladder. Nickel. Le coup de cochon qui est passé. Et c'était pas si large que ça, hein. 384 points de vie. Ça passe, c'est une victoire. Et les gars, on est en 6-1. On est en 6-1. On gère ou pas? On gère ou pas? Attendez, je crois que j'ai loupé des dons en même temps. Oh, mais il y a 12 milliards de dons qui sont tombés. Qu'est-ce qui s'est passé? On a Nervel CR qui nous dit de, qui vient de Castres, évidemment. C'était la question de tout à l'heure. Merci à toi, Nervel. On a Maël qui a fait un petit don. Merci à toi, Maël. Zouskix qui dit Lyon a mis la bouche, fait gagner un iPhone 11 Pro. Alors ça, par contre, Zouskix, on en doute tous. Hein. On sait que c'est du fake, mais merci à toi pour le don. Et on a Mathieu Henry qui régale. Joue ce deck, s'il te plaît. Ah, par contre, du coup, Mathieu, je peux pas jouer ton deck dans ce live, malheureusement. Par contre, Mathieu, si tu veux, sur Twitter, j'ai mis un petit tweet où je vous ai demandé de me mettre vos pires decks, mais vraiment vos pires decks ever. Et j'en ferai une vidéo plus tard. Donc n'hésite pas à aller sur Twitter et m'envoyer ton deck. Peut-être que je le jouerai en vidéo. Mais voilà, dans ce live, on a notre concept et on va s'y tenir. Mais merci à toi, en tout cas, pour le don. Alors. C'est le bazar aujourd'hui, c'est vraiment le bazar. On a un deck, et finalement on a un deck similaire en face. Un peu moins bien quand même, j'ai l'impression. Avec du double sorcier. Bon écoutez, on va tester ça tranquillement. Ça change pas trop. Alors, j'essaie de vous lire un petit peu en même temps. Et on a Frostbisque. Frostbisque, merci à toi. Qui nous dit Clermont-Ferrand, Frostbisque qui est un petit peu en retard sur le live. Hein. Mais on l'excuse. Merci à toi, ça fait plaisir. Alors, pendant qu'on a Nightbot hein, qui rappelle que oui, effectivement, moi je ne suis pas non plus de France. Je fais partie des étrangers de ce live. Enfin, des étrangers. J'habite à Londres, pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà, c'est marrant. On voit. J'aime bien voir qu'on se retrouve tous pour une soirée. On vient d'un peu partout. Alors, c'est parti, bonne chance. On est contre Raphaël, mesdames et messieurs. Avec du coup un deck similaire. On va pas trop changer. Ok. On a du bouliste en face. Le bouliste, c'est pas ouf comme carte. Mais je déteste jouer contre. Je sais pas vous, mais c'est vraiment une carte que je déteste jouer contre. Putain, là en plus on a rien pour aller défendre. Je suis obligé de mettre une boule de feu. Ça craint de ouf. C'est pas dingue. Alors il y a une tombstone en face. En plus Raphaël, j'ai l'impression qu'il a son deck entièrement doré. On va pas kiffer. En fait il y a deux options. Quand tu vois un mec avec que un deck doré, soit le mec est genre vraiment vraiment très chaud, soit le mec est pas chaud du tout. Il y a pas d'entre deux en fait. Là en plus ce bourreau ça m'arrange vraiment pas. Ok. Alors, attendez, parce que là, on est en situation de problème de type bourreau sur la tour qui va remettre un aller-retour en plus. On a pris tarif, mais genre comme jamais. Oh, il a le bouliste en plus. Oh, je sens que cette battle va être insupportable. On est déjà tellement derrière. Oh, aïe, on met même pas de coup sur la tour. Est-ce que ça serait pas la fin d'une domination? Ok, Valkyrie. Les gars, je tryhard. Je ne veux pas perdre cette battle. Ce bourreau, il me met trop mal. Mais vraiment. Il me déglingue tout. Ok, PK dans le fond du terrain. Enfin, milieu. Parce que je le sens, si je mets dans le fond du terrain, il va directement partir et s'enjailler avec les... Avec les barbares d'élite. Enfin, ce bouliste. Est-ce qu'on peut... Ah, attendez. On peut peut-être faire ça. Insupportable. Là, j'ai les trois avec la boule de feu. C'est pas trop trop mal. On va taper à gauche. Hein. On va bien taper à gauche.
Ok, ça va passer, ça tient. Bouliste encore à gauche. Je vais faire la même. On va bourrer à gauche. On bouliste à droite, on va bourrer à gauche. C'est ce que je voulais dire. Ok. On a repris un coup. Oh, j'avais pas vu par contre. J'avais pas vu la tour de gauche. On fonce, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce. Ça passe. Oh, il a loupé la tombstone. Oui, monsieur. Oh, oh. Le tryhard qui a payé. C'est une nouvelle victoire. On l'a volé, mais de nulle part. Je sais même pas comment on a fait les dommages. Je ne sais même pas comment on a fait les dommages. Ouh. Je suis... C'était chaud. Elle était très très chaude, cette battle. Elle était très très tendue. Alors attendez, je change le score évidemment. On en est à 7-1. C'est incroyable. On l'a eu. Alors, on a aussi deux couronnes. C'est pas dingue, hein. Je sais pas ce que vous pensez de ces quêtes-là. Bon, c'est sympa, hein. Mais bon, c'est des couronnes, quoi. C'est pas... On a vu mieux dans le milieu. Ah, par contre... Oh non. On va voir... On va devoir jouer ce deck. J'avais oublié le concept du live. Oh non. Oh non. C'est quoi cette Thanas? C'est quoi ce truc? Oh la galère. On a passé les 5003, hein. Je vais pas balancer. On a passé une arène. Mais là, mais non, mais sérieux. On va y aller, hein. On va. C'est le principe du live, hein. On est bien d'accord, mais bon, ça m'enchante pas de ouf, quoi. On a vu mieux dans le milieu. Allez, c'est parti. Évidemment, les gars, je le rappelle, j'ai pas encore dit depuis le début du live, mais n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. On est déjà à 2000 pouces bleus. Si vous kiffez cette petite soirée, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous kiffez aussi le concept. Je sais que le dernier live vous avait vraiment vraiment plu. Et là actuellement, bah, vous êtes quand même plus de 3000 actuellement sur le live. Donc c'est que ça vous plaît encore une fois. N'hésitez pas, évidemment, ça fait toujours plaisir. Et merci à tous ceux qui vont mettre des pouces bleus. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner. Non, c'est là. Si c'est pas déjà fait. Je sais que le compteur bouge pas, mais voilà. On est bientôt, je crois, de mémoire, au 287. Je sais plus exactement, je peux aller regarder vite fait. J'espère qu'un jour il y aura le rôle et les compteurs qui bougeront en termes d'abonnés parce que c'est un peu dommage. On a un Zappy en face, t'es sérieux ou pas là? On est censé le gérer comment? Zappy géant, non mais c'est une blague. Oh les gars. Non mais c'est une... Ah, j'ai le seum et puissance 1000. Alors, on est actuellement... Du coup, en termes d'abonnés, on est à 729. On a 286 729. On peut faire les 287 dans ce live. On peut le faire. Alors attendez, parce que là... Attendez. J'ai une battle à gagner. Deux secondes. J'ai un Piombo à matraquer. Non, attendez. C'est le tryhard. Ok, on a un Zappy à gauche. Ça fait très plaisir, évidemment. Je vais tenter un truc... Avec le bouliste. Petit combo comme ça parce que je sais qu'il a 15 zap. Donc à mon avis ça peut le mettre mal. Ok, il va défendre ça plutôt pas mal. Malheureusement pour moi. Je la sens pas cette battle. Je la sens vraiment pas. Non mais reviens là. Mais le géant squelette à chaque fois qu'il se barre. C'est insupportable. C'est insupportable. J'aime pas ce jeu. Je n'aime pas ce jeu. On va se prendre le coup, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tenter un truc à gauche, à droite. Ok, il y a un mini PK, évidemment, la super nouvelle. On adore. On passe une excellente game. Ah ouais, non, viens pas près de la tour, toi. Ne viens pas près. Mais les bats! J'avais pas vu les bats! Ok, ça part à gauche direct. Oh non, ça a pris la tour. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Je vais pas me prendre à couronne quand même. Non, on a un minimum d'honneur. On
on rigole, mais non, je ne me prendrai pas 3 couronnes, frérot. Good game. Quel deck pourri. Mais quelle idée de jouer ce truc aussi. Bon, c'est la fin de la domination. Malheureusement, 7-2. Bon, ça va, on a un bon ratio quand même. On va pas exagérer. 7-2, ça passe. Mais c'est quoi ce deck aussi? Non mais les gars, oh. Pourquoi? Qui joue ça? Ça n'a aucun sens. On va se civiliser celui-là non plus. Non mais... On vient de se faire battre par ça, mais je sens qu'on n'est pas bien. Je sens qu'on n'est pas vraiment bien. Et allez, on va y aller. On va jouer le jeu. On y va. On fonce. Tu penses quoi maintenant des sapeurs? Je crois qu'ils sont toujours viables, hein, Mathis. J'ai pas trop retesté les decks méta, mais je les vois toujours un peu. Je pense que les decks, bah notamment le deck que j'avais présenté là, le deck avec la tour à bombe. Et je crois qu'il y a Ruru aussi qui jouait une autre version de ce deck. Je crois que c'est toujours viable. Hein. C'est plus pété comme avant, mais ça reste toujours parfaitement viable. Alors attendez, parce que là on a un adversaire. Qui a des cartes un petit peu bas niveau. Donc soit c'est une bonne nouvelle, soit c'est une très mauvaise nouvelle. C'est un petit peu dans les deux chances, dans les deux sens. Boule de feu ici parce que les squelettes c'est relou. Quoique en fait ça va pas toucher la tour. Pas ouf la boule de feu. Jamais. C'est pas grave, on cycle. Personne n'a rien vu. Zappi dans le fond du terrain. On va juste aller gérer le prince comme ceci. Et voilà, tranquillement, ça c'est fait. Il a essayé de nous avoir. Ok. Oh, c'est parfait. Le Zappi qui va gérer tout ça. Mini PK juste là. Ok. Pour l'instant, au tempo. Pour l'instant, tranquille. Pas de panique. Est-ce qu'on peut avoir les... Ah! Ça, c'était pas prévu comme ça. C'était pas du tout prévu comme ça. C'était pas du tout prévu comme ça. Genre vraiment pas. Oh, par contre, là... Il nous BM. Ah, attendez. J'ai pas dit mon dernier mot, frérot. Je ne vais... Si il perd cette battle, si je gagne la battle, je vais tellement le BM. Je vais tellement le faire souffrir. Par contre, le relou le dart, hein. Vraiment. Faut que je pars dans le fond du terrain. Ou un truc à droite. Enfin, c'est que là, j'ai peur de pas avoir le time. Ah, mais ce dart, il est insupportable! Oh, la tour qui tape pas dessus! Regardez ce dart! Enfin, c'est que là, j'ai 16 secondes, hein. Je sais pas comment je vais faire. Tenter un truc à droite. Ah, problème c'est qu'il a le zap. Dommage. Bon, j'ai pas réussi à rattraper. Oh non les gars, ça fait la deuxième défaite d'affilée là. Ça craint. Bon, faut dire qu'on avait vraiment des decks pourris. Je veux pas balancer, mais là c'était vraiment des decks nuls. On a déjà, là déjà on a un meilleur deck. Un petit géant double prince, ça me rassure. Non mais les gars, ces deux decks, nul, 0 sur 20, mais vraiment. J'ai le seum, oui j'ai le seum, oui on peut le dire. Vraiment, en plus je sais pas ce qu'on aurait pu faire dans les battles. Hein. Vous savez que j'essaie à chaque fois de trouver un truc, mais je sais vraiment pas ce que j'aurais pu faire là. On s'est fait rouler dessus deux fois et basta. Alors, attendez, parce que j'ai loupé des dons. Ouais. Vous faites bien de me le rappeler. Alors, on a Tazi qui a fait un don tout à l'heure qui me dit « Salut H, tu joues quoi en deck ladder ?» Alors, attends, je te montre tout de suite. En deck ladder, j'ai ça. Toujours le même. Depuis quelques saisons. L'indémodable. Il est très bon. Il est nickel. Ça marche bien. Enfin, quoique, là, maintenant, la sorcière s'est fait nerf. Donc, j'avoue.
Mais c'est un deck qui marche bien, c'est le deck avec lequel j'ai fait mon petit top 7000, un truc comme ça. Donc c'est plutôt sympa. Et on a également Maxime qui a refait un don. Tu penses quoi du ballon? Bah le ballon, l'indémonable. Hein. Le ballon, toujours aussi solide. Ça marche dans les decks ballon rapide. Il y en a plein régulièrement dans les méta. C'est toujours aussi fort. Alors, est-ce qu'on part avec ce deck? J'aimerais bien une petite victoire là. Là j'avoue que on était sur un super win rate. Bon là on est toujours à 70%. Mais j'ai un peu le seum. J'ai un petit peu le seum. On est contre Frank the Tank. C'est parti, bonne chance. Ok, c'est parti, Prince Ténébreux. On a une sorcière en face. On va tempo. J'ai un peu rien pour aller la gérer. J'admets. Oh, attendez, quoique. Petite boule de feu qui va partir sur tout le monde. Ah, ça va, en fait, j'ai la bûche derrière qui peut aller soutenir tout ça, qu'on va mettre maintenant. Parce que sinon, le mini PK, il va se faire un poil trop plaisir. On va mettre un prince pour aller tanker de ça, parce que sinon, on va pas kiffer non plus. Ça me paraît pas mal. En vrai, on n'a pas le droit de perdre avec ce deck. Les deux autres, je veux bien. J'avais l'excuse du deck. Mais là, franchement, petit zap. Trop tard. Mais là, franchement, on n'a pas le droit de perdre. On a un bon deck. On a un truc viable. On devrait pouvoir faire un truc. Il y a juste ouais, la sorcière qui va être relou. Mais mis à part ça, normalement, on devrait plutôt se mettre bien. S'il te plaît, remets un bomber. Ok, il n'a pas mis à côté, dommage. On va quand même avoir une boule de feu au pont là, qui va être plutôt sympa. Ouh, attendez. Attendez, parce qu'on rigole, on rigole. Mais il y a un cimetière sur la tour. Oh, regardez le travail du dart. Il a tout fait tout seul. Ça part en contre-attaque derrière. Bon, le bourreau, il est toujours aussi relou. Le bourreau, les gars, cette saison. On en parle ou pas? Le bourreau, c'est n'importe quoi. Ok, ça va défendre. J'ai pas envie de forcer encore. On sait qu'il va mettre une armée. Regardez. Raté. Raté. Bon, ok, j'ai tenté, d'accord. Vous me l'accordez. On va partir dans le fond du terrain cette fois-ci. On va mettre un petit push géant et ensuite on va mettre la pression. Comme il le faut. Ah, attendez. Boule de feu. Trop tard. J'ai eu le bomber. Ce qui est mieux que rien. Ah, d'accord. Ça, c'est pas cool. Heureusement, on a la bûche qui va vraiment tout gérer. Et là, par contre, regardez, j'ai déjà recyclé sur un géant. Ah ouais, mais le bourreau! Oh, j'ai eu les deux. Oh, c'était pas mal. Oh, la boule de feu était pas mal. La boule de feu était bien. Pas suffisante, mais bien. Prince qui va partir dans le fond du terrain. J'ai la bûche. Je savais, on l'a vu venir. J'ai la bûche. Tout va yimbe. Je fais gaffe au bourreau. Je pense que je peux y aller. Dart juste là. Ok, le bon zap. Cette fois-ci, le bon zap. Oh, le dart. Regardez le dart. Oh, ça fait tellement le taf. Le dart qui va gérer le bomber derrière. Il y a le prince qui va aller tout droit sur la tour. Oh, le gel. Bon, là, il est dans le mal. Là, il est grave dans le mal. Donc, je vais carrément bourrer. Je vais carrément partir avec un géant. Let's go. Le dart qui va partir juste ici. Je cycle évidemment sur le zap pour réagir tout de suite. Dès qu'il va y avoir. Il va pas y avoir. De feu. C'est pas trop mal. Évidemment, il va tenter avec une armée. Ça, c'était sûr. Et du coup, on zappe ça. Comme ça, le géant va finir la tour. Good game. Well played. Je vous l'avais dit. Ce deck, on n'avait pas le droit de perdre avec. On avait le bon deck. On était bien. On est bon, on a fait le travail. On va modifier ça, on est en 8-3. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On fait du bon taf. Et en vrai, je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal. Je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Par contre, il nous jouait quoi là, notre ami Franck en face? Ah oui.
Ah, attendez, je vais peut-être parler un poil trop vite. Un petit poil trop vite. Les gars, on va... Non, petit pacte, ok? Vous voyez que j'ai un bomber qui n'est pas encore niveau 2 étoilé. Si je gagne la prochaine battle, avec ce deck, hein, avec ce truc-là, on est bien d'accord, j'augmente le bomber au niveau 2. Bon, j'ai 3000 pouces bleus aussi, comme ça, vous avez aussi un truc à faire dans l'histoire. Si je gagne la prochaine battle, ça passe en bomber niveau 2. Est-ce que ça vous va, comme deal? Je pense qu'il y a moyen, en vrai. J'aime pas avoir une étoile sur deux, ça me stresse, ça me... Voilà. Mais bon, c'est le petit défi. Je sais pas trop si c'est une win ou une lose, du coup, si on gagne, genre, est-ce que c'est bien ou pas? Je suis pas trop sûr de ça, mais voilà. On va tenter, c'est parti, let's go avec ce deck. On est contre Adèle, mesdames et messieurs, de Gomora TN. Alors, le gros problème du deck, c'est qu'il y a un petit peu rien pour tanker du, bah, du cimetière. Qui est quand même à la base de la win condition. Donc ça aurait été pra. J'en ai marre du sapi, je déteste cette carte. C'est terrible, comment est-ce que je défends ça? Moi j'en sais rien. J'ai rien demandé à personne moi, on va, ouais. Allons-y. Oh non, oh non, oh non. Oh non, pas ça. Alors attendez, on va faire... Oh non, oh non, 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 armée de squelettes. On va se prendre un coup quoi qu'il arrive. J'aurais pu gel mais ça serait revenu au même. J'ai bégayé, oui. Bon, hey, en vrai, on a pas trop mal négocié. On s'en est à peu près sorti. Mais d'accord, c'est quoi ce deck en face encore? Il y a du ballon zappi. Parce que on va devoir le jouer après. J'aime pas du tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bourreau. Déjà, concentrons-nous sur cette battle. Il faut la gagner, déjà de base. La question c'est comment la gagner. Il sait pas encore que j'ai un gel. On va devoir le gel, hein. De toute façon là de base. Quel jeu de merde. Mais quel jeu de merde. Défends moi ça. Le bomber mais retape une fois. Oh non, le zappi qui va retaper. Oh, le zappi qui retape. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça, c'est un détail. Oh, le gel. Oh, c'est pas grave. En vrai, on s'en tape complet. Là, il faut aller prendre une tour. Mais le ballon qui retape. Mais j'en ai marre de ce jeu. Je déteste ce jeu. Ok, reste 30 secondes. Voilà, oh, il est allé beaucoup trop vite. Enfin, trop loin. Trop... Non, c'était trop. Gel. Allez. C'est ma seule chance, frérot. Retape une fois. J'ai pas le choix. Non, mais ça va taper sur la tour. Dis-moi qu'on prend la tour. J'ai pas le choix. J'ai grave le seum. Oh, je suis dégoûté. Là, on fait beaucoup de défaites, là. Ça va pas du tout. Mais c'est quoi ce deck aussi en face? Et en plus, il faut qu'on le joue. Je respire le seum. je n'en peux plus. Pendant qu'on a eu un don de 1, 2, 3. Oui, alors, on se recadre. On a eu un don de la part de Goran. Merci à toi. Salut champion, petit don pour fini. Une bonne journée.
Et bonne chance pour les games. Je n'arrive plus à parler, c'est terrible, c'est n'importe quoi. Cette battle m'a mis dans tous mes états. Merci à toi Goran, ça fait plaisir. Et bonne chance, ouais, j'en ai besoin. j'en ai plutôt besoin. Oh non, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. En plus là, pour le coup, franchement, autant sur les autres battles, on s'est fait éclater, voilà, faut le dire. Mais sur celui-là, on avait grave moyen. Bref, j'ai le seum. Allez, vas-y, on repart direct parce que je vais oublier cette battle. On repart. Alors, on est censé du coup gagner avec ce truc. je n'appellerai pas ça un deck quand même. Soyons sérieux deux secondes. Un zappy ballon. On aura tout vu. On aura vraiment tout vu. Ok, gang de gobelins dans le fond du terrain. Ça marche. Oh. Ok, il y a une roquette en face. Très très bien. La roquette du coup qui contre quoi, mesdames et messieurs? Le ballon et le zappy. Évidemment. J'en peux plus. Je suis au bout de ma life. Allez, c'est parti, vas-y, j'en ai plus rien à faire. Moi, je m'en fiche, vas-y. Allez, tiens, vas-y, prends ça. Démerde-toi avec ça. Allez, vas-y, bonne chance. Je crois que j'ai le seum. Non, mais ça tape même pas. Je suis au bout de ma vie. Je sais, on m'a perdu là. On m'a perdu. Je regarde ma propre game en fait. Attendez, non, peut-être pas trop quand même. Sorcier. Ok. Alors, on va mettre un gang de gobelins ici pour aller pré-shot. Parce qu'on rigole, on rigole. Mais je suis pas encore. Pas demain la veille que je vais me laisser faire. J'arrive plus à parler, évidemment. Ça, c'est le meilleur truc. Hein. Quand on est en train de faire un petit peu le mec et qu'on n'arrive pas à parler, c'est toujours hyper crédible. Bon, est-ce qu'il va envoyer sa roquette? Vas-y, hein, fais-toi plaisir. T'as un zappy qui change de ligne. Ok. Vas-y, fais-toi plaisir, frérot. Voilà, la roquette. Bon, on va pas envoyer un ballon comme un teubé cette fois-ci parce que bon, on va calmer un petit peu le jeu. Et on va attendre. Vraiment envoyer un ballon à gauche. Voir si ça peut passer. Ok. J'ai même pas envie de défendre en vrai. Tranquille. Ok, il s'est loupé. Déjà, ça c'est une bonne chose. J'ai envoyé un zappy fond de map. Il va forcément mettre la roquette à droite. Ça on le sait. Ça c'est sûr. Ça me dérange pas plus que ça en vrai, parce que du coup on peut peut-être partir à droite là, comme ceci. Je sais pas comment on peut passer, hein. J'essaye de trouver des solutions. J'avoue que c'est pas évident. Parce qu'en fait, il joue Mortier Cycle, donc en fait, il aura toujours la roquette. Mais genre, toujours. Derrière, la question c'est qu'est-ce que je suis censé faire. Il s'est loupé là ou pas? What? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Mais mec, mais j'ai un gel, frérot. Tu vas faire quoi maintenant? Les flèches, les flèches, les flèches. Oh oui, regardez ça, le zappy qui va taper derrière. Pas du tout. Je me suis enjaillé. J'y ai cru, j'ai vu le coup. Non, alors bon, on a eu des dommages. Je sais pas ce qu'il a fait. Cette game, c'est n'importe quoi. On est bien d'accord. Taper 1 si c'est n'importe quoi. J'aurais pas dû faire ça, on va casser le chat. C'était une très mauvaise idée. Ouais, mine de rien, il nous a pas trop gratté en vrai. On est devant en termes de dommages. On est en train de bien gérer. Là, il va mettre une roquette sur le ballon, j'imagine. Voilà. Donc on va partir évidemment en zappy. On va voir si ça peut fonctionner ou pas. On va mettre des gargouilles juste ici parce que voilà. Normalement la Valkyrie ne va pas taper. Elle va taper évidemment. Sinon c'est pas drôle comme jeu. On le sait tous. J'aurais presque pu pré-shot l'esprit de gel. Ça aurait été très très beau. Non, attendez, je vais essayer de pré-shot. Attendez. On va tenter un move.
de type qualitatif juste après. Regardez ça. On va faire ça. On va faire le même schéma que tout à l'heure. Du coup, on connaît son cycle. On sait qu'on va faire la même chose. Avec un zapi juste là. On sait, voilà, que ça, ça arrive juste ici. Donc on défend ça comme ça. Maintenant, on sait qu'il a Valkyrie Archer. Là, il va forcément défendre avec une roquette, au pire. Il a toujours la roquette en main. On le sait. Le gel, ça va forcer la roquette. Il a pas, il s'est planté. Oh oui, ça a touché la tour. Avec, non, j'ai loupé les flèches. Ah non, c'est bon, ça passe. Ça n'a aucun sens. C'est le battle, n'a aucun sens. Vas-y, on oublie. On skip. On l'a gagné, c'est l'essentiel. J'ai rien compris à la fin, vraiment, je n'ai rien compris. Ne me demandez pas. Ça fait du 9-4 et c'est plutôt pas mal. Voilà, comme ça c'est fait. Pouf. On repasse au 5003, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal, on revient. Oh non. J'avais oublié encore le concept du live. Qui est que je vais devoir jouer Mortier Cycle. Je ne sais pas jouer ce deck. C'est le pire deck quand tu sais pas le jouer. Je sais encore mieux jouer Arkix que Mortier Cycle. Je n'ai vraiment jamais. Je crois que j'ai vraiment littéralement jamais essayé ce deck. Ou alors une fois, peut-être. Je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien. Le contre de la méta actuelle, c'est clairement la roquette, on va pas se mentir. Il y a un peu de tout dans la méta en ce moment en vrai. Déjà, il y a beaucoup de PK qui est revenu en force. Du coup, la roquette, ouais, pas dans tous les match-up quand même. Hein. J'ai pas vu qu'il y avait JS sur le live. Il est là, JS, ou pas? C'est pour ça que je perds en fait, parce qu'il y a JS qui s'est ramené. C'est ça l'idée. Non? T'avais dit que tu up le bombardier si tu win. Oui, mais j'ai pas gagné. J'ai pas gagné. Je me suis fait fumer avec le bomber. Les gars, rappelez-vous, je me suis fait fumer la tête. Regardez, défaite. Ah, moi, je respecte mes pactes. Hein. Si on a un autre deck. Alors, si on a un autre deck avec un bomber, le pari tient toujours. Alors, c'est parti. Bonne chance. On est contre un français. Polo. De French Graveyard. J'imagine qu'il doit jouer cimetière. Ceci dit, contre cimetière, on est pas mal. Ah ouais, il joue carrément cimetière. Ha. Tu vois le bouliste arriver. Y'a pas de doute. Alors par contre, hein, on rappelle, hein, je n'ai jamais joué ce deck. Genre de type jamais de ma life. C'est pas trop mal, on va avoir un coup. On va avoir deux coups. Est-ce que ça peut marcher un truc comme ça là? Ça m'a pas l'air trop mal. Ça m'a l'air plutôt correct. Et pour l'instant, on s'en sort vachement bien. Je veux pas balancer. Pour l'instant, on s'en sort bien. Mineur qu'on va mettre juste là. Jamais. Mais attends. Quoi? D'où? Pourquoi il y a un géant dans ce deck? Qu'est-ce qui se passe? Mortier. Défensif. Ah, c'est vrai qu'on a la roquette. J'aime pas cette carte. Ok, ouais, effectivement, on va pas se faire avoir. C'est bien du cimetière, on a les archers qui vont venir défendre tranquillement. Enfin tranquillement. Les gars. Oh, on prend cher là. Pourquoi on a pris aussi cher? Comment est-ce qu'on a pris aussi cher? Qu'est-ce qui se passe? Mineur juste derrière. Pendant que la Valkyrie va tanker un petit peu tout le monde. Ok. Bon. Ouais. On est devant. Oh, je la sens pas celle-là, je vous le dis. Ça me paraît très compliqué, étant donné que je ne sais vraiment pas jouer le deck. En vrai, ça défend bien. Ça défend vachement bien. Je découvre vraiment avec vous. Hein. On est bien d'accord. Ah, ça c'était pas dingue. On a vu mieux dans le milieu. La roquette, elle fait 600 combien?
Je crois qu'elle était trop tard, elle était trop tard, elle était trop tard, elle était trop tard, elle était trop tard. Ah putain, la roquette était trop tard. Dommage. Tentez ça, mais on sait tous que c'est mort. Hein. On sait tous que c'est mort. En plus, il a le boulis qui counter le mortier. Ah, c'est dommage en vrai. Il y en avait une dernière roquette qu'on n'aura même pas le temps de lancer. Ah, c'est vraiment dommage. Cette roquette que j'ai voulu un peu grid. Le sorcier qui a avancé de trop et du coup j'ai perdu. Bah j'ai perdu 6 en fait. J'ai perdu 6. Ah c'est dommage, en vrai on avait moyen. Ah j'aime pas ces défaites les gars. Autant quand on peut rien faire, bon c'est une chose, on se fait éclater. Mais là. Là j'ai un petit, on n'est pas à 65 défaites, calmons-nous. On est à 5 défaites. J'ai le petit coup de seum quand même. En mode, t'aurais pu gagner, frérot. Alors, par contre, on a un deck pas mal après. Un peu chelou avec le boulist. Mais on a un deck pas mal pour continuer. Et ça, c'est cool. C'est lequel le meilleur deck selon toi? En vrai, Mathis, on peut pas encore savoir. Là, ça fait que quelques jours que la saison a commencé. Donc, on peut pas encore savoir. Faut attendre encore un peu pour connaître vraiment la méta. C'est quoi ton micro? C'est un Shure. C'est un Shure SMB, SM7B. Mais j'ai tout un truc derrière. Il n'y a pas que le micro qui fait ce rendu-là. Alors, on est reparti. J'aime pas les défaites, les gars. On est vraiment en train de perdre. On avait super bien commencé. Alors, on est en train de plafonner un petit peu. Ça va pas du tout. Alors, attendez. On est parti. On est contre Mo. Ah, je veux ma victoire. Là, on n'a pas le droit de perdre. On n'a vraiment pas le droit de perdre. J'ai loupé la bûche. Ah, c'est un festival aujourd'hui. C'est n'importe quoi. On loupe tout. Tous les sorts, tous les trucs, on les met à côté. C'est la fête. Mettre un bully juste là. Ok, le géant juste ici. Ça peut être pas mal. Je pense qu'il faudrait que j'attende quand même d'avoir le cimetière en main pour mettre les offensives. Parce que c'est un peu mou, hein. Comme push actuellement, tu vois. C'est pas super énergique. Un bouliste et un géant. On a vu plus rapide. Ok, prince ténébreux juste ici. Électro-sorcier. Il y a peut-être moyen de mettre un truc là. Il y a peut-être moyen. Mais j'ai peur de m'emballer là, comme la roquette tout à l'heure. J'ai encore le seum de cette roquette. Hein. J'ai vraiment grave le seum de la roquette. Ok. J'ai en fond de map. Là les gars, on y va. Là les gars, on y va. J'ai même pas envie de défendre ce GR. Faut quand même le faire. Parce qu'on est en train de prendre tarif. On va avoir un électro qui va normalement se glisser derrière le géant. S'il te plaît, l'électro ne passe pas devant. Ok, c'est bon. Oh, ce timing les gars, incroyable. Et là maintenant, on a le cimetière qui va partir. Et là maintenant, on se fait plaisir. Regardez ça, il a le poison pour défendre. Ça, c'est pas cool. Mais je pense qu'on est pas mal. On a bien gratté des deux côtés. Attendez, je bégaye. Je sais pas quoi faire. Ok, ça passe. On est reparti. Directement, on a un boulis qui va tanker. Elle est tendue cette battle. Je veux pas la perdre. Je veux surtout pas la perdre. Voilà, par contre, il a pas le cimetière. Il a pas le poison. Regardez ça. La tour qui va tomber. Ça fait plaisir. Et maintenant, faut juste pas perdre la tour de droite. Parce qu'on l'a vu venir, le bordel.
Et on va tout mettre pour temporiser. On met tout, on n'a pas le time, le GR qui va même pas taper. Et ça c'est fait mesdames et messieurs. Good game, well played. Ce deck était meilleur. Ça fait plaisir. Et on passe en 10-5, ça va. Ça passe. C'est pas trop mal. On a vu mieux, mais on a vu pire. Cette phrase vraiment ne veut rien dire. C'est pas rassurant, c'est... C'est un constat. Ok. Bon, écoutez, ça passe. On repasse du coup, on repasse les 5003 pendant qu'on a débloqué un nouveau palier. Attendez, j'ai loupé un don, je crois, tout à l'heure. De Mathieu Henry, qui dit: tu peux faire une dédicace au duo YN, s'il te plaît, tu gères. Eh bien, dédicace au duo YN, je ne sais pas ce que c'est, mais... en tout cas, merci à toi, Mathieu. Alors, petite foudre ici. Il me faut du golem elixir, s'il vous plaît. Pas du golem, non, c'est pas ce golem-là. C'est pas du séisme non plus. Et c'est pas de la méga. Toujours un plaisir, vraiment, c'est coffre. Ça fait un petit peu d'étoiles, tout va bien. Et par contre, il va falloir bosser pour le prochain palier. On a 10 couronnes à faire. Il y a moyen. D'ailleurs, j'ai pas copié le deck. Ah oui, j'avais pas copié ce deck. Mais je m'en serais passé, en fait. Parce que bon, en termes de deck GR, c'est pas folichon non plus, ce truc. Quel est ton casque, hashtag? Je vais vous faire des courses. Mon casque, c'est le Sony de... Je sais plus la référence exacte. WHX... Un truc comme ça. Le Sony qui est sorti en 2018. Le Sony anti-bruit. Comment on appelle ça? C'est anti-bruit ou pas? Bah, vous voyez ce que je veux dire là. Anti-son, anti-bruit. Je sais plus comment on dit. Mais voilà, c'est le Sony 2018. Et il est très très bien. Ça me permet de m'enfermer un petit peu dans mes lives. J'entends pas ce qui se passe autour, les gars. Il peut y avoir une ambulance ou un énorme truc qui se passe dans la rue. Même un truc chez moi. Hein. J'entends que dalle. Je n'entends rien du tout. Réduction de bruit, voilà, c'est ce que je voulais dire. Bah voilà, c'est le casque Sony réduction de bruit de l'année dernière. Qui est pas trop mal. Alors, est-ce qu'on part avec ce deck? Il faudrait partir avec ce deck. Allons-y, let's go. Pendant qu'on est, les gars, on est actuellement à 800... Attends, on est à 286 831. J'ai le compteur exact sur mon petit Analytics. On est à moins de 200 abonnés des 287 000. S'il y en a parmi vous qui n'êtes pas... Waouh, la conjugaison ce soir, c'est pas ouf. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, évidemment, n'hésitez pas. C'est le moment, pendant qu'on est en live. Ça serait cool de faire monter le compteur. J'ai... Ah ouais, il est relou le type, en fait. Il est relou le monsieur, là, actuellement. J'ai pas trop compris ce qui vient de se passer. J'ai compris que je suis dans le pas bien avec la roquette. Et j'ai compris que c'est un lockbait. C'est l'essentiel. Tu live jusqu'à quelle heure? J'en sais rien, vraiment, Anthony. Genre en mode... Je sais pas ce que je fais en live. Je sais pas quand je lance mes lives. Et je sais pas quand je finis mes lives. On est vraiment pas sur un mec organisé. Hein. Vous l'avez bien compris. C'est YOLO. C'est quand j'ai envie. Alors, ça me plaît pas trop à droite. On va laisser quand même faire un petit peu. Au pire, on a une Valkyrie. Allons-y, tranquillement. Je me presse pas pour l'instant parce que face à un lockbait, c'est plutôt lui qui met la pression. Donc tranquille, on fait ça comme ça. Bûche à gauche. Ça c'est relou, parce que je n'ai rien pour aller défendre. La princesse est relou. La princesse est vraiment relou. Je vais quand même mettre une Valkyrie, j'ai pas le choix. Bon là normalement on arrive en double élixir, donc là c'est le moment où je vais pouvoir envoyer des GR. Et donc là, ça devrait aller. On devrait un petit peu commencer à lui mettre la pression à lui. Et arrêter de prendre tarif de tous les côtés. Ok. C'est parti, fond de map. Au pire il met une roquette. Peut y aller, hein, c'est une mousquetaire. Ça, c'est un petit peu ici. Hop, voilà, on l'a vu évidemment. On va tenter un GR. Allons-y. Ok, il a la Tesla. Ça vaut pas le coup de mettre un poison ici. On va le mettre sur la princesse.
Oh non, la mousquetaire qui a pas eu la, qui a pas chopé l'aggro de la princesse. C'est relou. Là, le problème, c'est qu'on est bientôt à portée de sort. Et ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté très cher pour pas grand chose. Là, je tryhard. Je veux pas la perdre, celle-là. Ce serait vraiment dommage. Je peux pas l'avoir avec un sort. Quand même essayer de passer comme ça. Pas passer. Je fais vraiment très gaffe parce qu'il a une roquette. Hein. À tout moment il envoie la roquette. Faut que ça passe, j'ai pas le choix. Ça peut le faire, ça peut le faire, à tout moment ça passe. Ah, ça passera pas. Dommage, good game. On était pas loin, j'ai trop subi au début. On commence à s'affaiblir là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On est à 6, on n'est pas à 7, on est à 6. Voilà. Ah, c'est dommage, on était pas loin. On était pas loin. J'avais pas de sort en fait avec ce deck. J'avais qu'un poison, et il faut pas jouer poison avec le GR parce que c'est pas assez réactif. On l'a vu, hein, dès qu'il y avait une Tesla, je pouvais pas aller la gérer. Et du coup, je prenais tarif. C'est ce poison qui nous a mis dedans, malheureusement. Pas ouf le deck. Par contre, là maintenant, on joue un bon deck. Là maintenant, c'est un lockbait. Ça, c'est solide. On connaît. C'est fiable. On n'a pas le droit de perdre la prochaine. Je vous le dis, la prochaine, même contre un counter, il faut qu'on la gagne. Vraiment. Pendant qu'on a un nouveau nom de Kaiser, merci à toi Kaiser. Dédicace aux frères Bédard et vive Kaiser, vive les Kaiser. Merci à toi. Bon par contre les gars, je vais pas faire 12 milliards de dédicaces. Hein. Je vous le dis, je sens le truc venir, donc je préviens. Alors, on va partir Lockbait. Faut qu'on fasse... J'aime pas faire des pauses après des défaites. Faut qu'on enchaîne. Il faut qu'on enchaîne. On va commencer tranquille, puis à gobelin ici. On va pas mettre de zap, ça sert à rien, tranquillement. On a déjà bien gratté. Hein. On a très bien gratté sur la première action. La petite roquette, évidemment. On va chercher le sorcier. Ça, c'est gratos. Là, les gars, c'est gratos. Ah. Ça par contre ça m'arrange pas. Parce que autant un sorcier ok. Mais sorcier plus bourreau. C'est pas le plan en fait. Non, c'est vraiment pas le plan. Ça passe. Fais gaffe parce que je suppose évidemment qu'il doit avoir une tornade dans le deck. Ouais j'ai pas assez fait. J'ai pas assez fait gaffe apparemment. Parce que je le savais en plus, je l'ai dit. Et le zap assez réactif. J'ai deux tensions, j'ai deux de tensions. Bon ça va, on gère quand même, on est devant. Je pense que celle-là les gars, on n'a pas le droit de la perdre. Et je la perds, je me bats. Je vous le dis. Ça va, on n'est pas trop mal. Il reste 30 secondes avant de doubler l'élixir. On va mettre une princesse dans le fond du terrain qui va aller gérer ça. Et on devrait être pas trop mal. Non, non, ok, la princesse. Pas son problème, hein. Vraiment, elle a une autre guerre à mener. J'en peux mettre la pression parce que de toute façon, foutu pour foutu, on a réveillé la tour du roi. Donc allons-y. Ah, par contre, il a vraiment beaucoup de trucs relous dans son deck. Hein. On va mettre une Tesla ici. On va mettre la pression à droite, on va utiliser le cycle hein, du lockbait pour mettre la pression et ça va plutôt le faire, regardez ça.
Le zap en plus, histoire d'aller gratter la tour. Double Tesla, ouais, pas le time. On a vraiment pas le time. Oula. Attendez, parce qu'on rigole, on rigole, mais il y a quand même beaucoup de monde qui arrive sur la tour. Et ça, c'était pas prévu de la sorte. Faudrait qu'on aille gratter, s'il vous plaît. Le petit fût pour aller gratter, s'il vous plaît. Hop, comme ça, ça c'est fait, boum. Le zap en plus, la roquette elle fait combien exactement? S'il te plaît, donne-moi les dégâts de la roquette. Ok, 28. On l'a vu, tout va bien. Donc j'ai pas assez là. J'ai vraiment pas assez pour aller finir la tour. Je ne peux pas finir avec une roquette, il manque 4 dommages. S'il te plaît, la princesse. Sur la tour. Le talent. Le talent, évidemment. Good game, well played. Les gars, je vous l'avais dit, avec ce deck, on n'avait pas le droit de perdre. Voilà, il y a des decks. Les decks méta, on n'a pas le droit de perdre avec. C'est des bons decks. On les connaît, on sait les jouer. Il n'y a pas d'excuse. On est en 11-6. Et on va jouer un bomber. Vous savez ce que ça veut dire. Vous savez ce que ça veut dire, évidemment. Hop, je vais copier le deck direct. Ça fait plaisir. On est un petit peu en train de stagner, là. Depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de faire victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. Là... il faut qu'on casse le cycle. Avec ce deck-là, qui est un deck pas ouf, on peut se le dire. Il faut qu'on casse le cycle. Et je rappelle, si on gagne avec ce deck, j'augmente le bomber au niveau étoilé 2. On va voir si on y arrive. Le deck est pas dingue. Il n'y a pas de sort déjà. On remarque, hein, juste au passage, il n'y a pas de sort. Il y a juste une tornade, mais ça fait pas de dégâts. Je suis pas forcément super convaincu, mais enfin, on va y aller. Écoutez, allons-y. Partons, chers amis. On est contre Fibek Gunter. Très bien. Et on va partir en mineur, directement en mineur chauve-souris. Allons-y. Oh oui, ça prend l'aggro. Oh non, ça prend pas l'aggro en fait. C'est bon, l'armée qui va faire le travail. Tout va bien. Notre ami Fibek qui est potentiellement français. Dans un clan en tout cas avec le drapeau français. Ah d'accord. Alors attendez, c'est du mortier. J'avais pas vu les choses comme ça, mais ok. Pourquoi pas. Là je pense qu'on est bien en vrai. Je pense qu'on a fait un petit avantage en élixir. Je pense qu'on peut partir géant fond de map. On devrait se mettre pas mal. Petit aller-retour. Oh oui, l'aller-retour du bourreau. C'est nickel. J'ai envie de jouer le bomber derrière. C'est moins... ah oui, regardez ça. C'est moins cher que le sorcier et ça va totalement aller gérer les gobelins. Et en plus, il a pas mis la boule de feu à temps, donc c'est parfait pour moi. Regardez ça. J'ai pas envie d'utiliser trop vite ma tornade. Donc on va tranquille, tempo. Et là, on a le bourreau pour aller défendre si besoin. On est très très bien sur cette battle. On va casser le cycle, je vous le dis. L'armée de squelette qui va partir ici. Le bourreau qui fait le travail. On peut presque partir avec un géant devant. Mais je vais pas le faire parce qu'on joue safe. Parce qu'on joue sérieux dans ce live. J'ai mis un bomber mais totalement inutile. On est bien d'accord là-dessus. Il a pas de tornade donc on va en profiter, hein, évidemment. Mineur juste là. Ça serait bien que le bomber tape. Oh oui, regardez ça, le bomber ça fait mal. Un bomber ça fait vraiment vraiment très mal. J'avais pas vu qu'il avait mis le mortier. Bah GG. Hein. Je peux pas faire grand chose maintenant contre ce mortier. Je peux essayer d'aller gérer rapidement. Après on est vraiment en avance. Hein. Je me fais pas trop de soucis. On est vraiment genre très très bien dans la game pour l'instant. Même s'il est en train de nous éclater Natour. On est bien d'accord là-dessus. Mais globalement on a un mineur sur tour. On a le géant qui devrait taper aussi un coup. C'est nickel. Et on va partir à gauche directement. Attendez, parce que là on a des bats. Parce qu'on rigole, mais... non, ça va passer tranquillement. Le bomber qui va partir juste ici. Oh oui, ça prend tout le monde. Géant. Géant. Comme ça, c'est fait. Et on défend ça tranquillement. Et ça va passer, mesdames et messieurs. Good game. Well played. Et on a enfin notre victoire. La victoire qui nous fait repartir. On est maintenant en 12-6. Attends, j'essaie de changer ça en même temps. Hop.
Ok, 12-6 mesdames et messieurs, incroyable, plus 29. Et du coup, on va le faire. J'espère que vous passez quand même une bonne soirée, hein. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus évidemment si c'est le cas, histoire qu'on atteigne 4000, peut-être même 5000 à la fin de ce live. Ça serait cool, je vais évidemment laisser ce live en replay. Donc voilà, s'il y en a qui regardent la rediff d'ailleurs, bonjour à vous qui regardez la rediff. Il y a beaucoup de gens qui ont regardé la rediff sur l'autre live. Il y a souvent plus de gens qui regardent la rediffusion que le live en lui-même. Donc voilà, petite dédicace à vous qui regardez le live à la bourre. Enfin le live du coup, le replay. Et donc, bomber mesdames et messieurs. Est-ce que vous êtes prêts pour un bomber étoilé de niveau 2? On est bien d'accord, c'est une carte qui ne sert à rien à haut niveau. Donc vraiment, c'est la pire carte à augmenter au niveau étoilé. Mais on va le faire. Oui, parce que j'ai des idées bizarres, parfois. C'est parti. Bomber étoilé, au niveau 2. Incroyable. Et c'est vraiment... en plus, c'est un truc nul. C'est-à-dire que c'est vraiment juste les os qui sont un peu dorés. C'est pas ouf. On vient vraiment de claquer 15 000 étoiles pour un truc pas ouf. On est bien d'accord. Mais bon, ça fait plaisir. C'est niveau 2. C'est beau, c'est niveau max. C'est comme je veux, c'est bien carré. Et ça, ça fait plaisir. Alors... J'aime bien cette carte, c'est pour ça que je l'augmente aussi au niveau 2. Bah, c'est comme d'ailleurs la sorcière que j'ai augmentée. Toutes ces cartes-là, même la charrette à canon qui n'est pas forcément très jouée en ce moment, c'est une carte que j'aime bien. Donc voilà, je les ai augmentées, elles le méritent, voilà, elles méritent leur petit soutien. Est-ce qu'on est reparti nous? Parce que je dis... On rigole. Mais, ah, on a un mortier, on a re-un mortier. Attendez, j'ai ma revanche à prendre les gars. Je me suis fait éclater en mortier tout à l'heure, il faut que je gagne avec un mortier. Donc allons-y. Et on est en 12-6, ça serait bien d'augmenter et de faire un peu plus quand même. Ok, c'est parti. Bonne chance. Ash ne m'a pas dit bonjour, Sniff. Bonjour à toi, Arnaud. C'est un peu compliqué de dire bonjour à tout le monde. Vous êtes énormément sur le live. Vous êtes rien que 2700 actuellement. Et j'ai les stats en direct. Vous êtes 30 000 actuellement à être passé sur le live déjà. 30 000 vues. Donc ça fait beaucoup de bonjours. Mais vous inquiétez pas, je suis évidemment reconnaissant. Ça fait plaisir d'avoir du monde. Et j'espère que vous passez quand même encore une fois une bonne soirée. Parce que c'est le but quand même, un petit peu. Il fait quoi le PK là? Oh, 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 PK! Oh! Ça va pas ou quoi? Tu touches pas ma tour comme ça, toi? Ah, du coup, la Valkyrie... Ah, non, c'est pas du tout une Valkyrie d'ailleurs. C'est totalement une mousquetaire. On est pas bien là? On a la petite contre-attaque qui est pas trop mal. Évidemment, mais j'essaie de vous lire un maximum quand même sur le chat. Évidemment. C'est ça que je jette des coups d'œil. Dès que je regarde par là, là je regarde le chat. Dès que je jette un coup d'œil pendant la game, c'est que je regarde le chat. Je regarde ce que vous dites. Je vous ai à l'œil. Alors, attendez, parce qu'on joue mortier. Moi je sais pas jouer mortier à la base. Donc... Concentrons-nous peut-être un petit peu. Lis pas en même temps. Ouais, je sais. Quand je tryhard, j'ai le gros problème, c'est que là, j'ai le réflexe. Là, ça va, on joue tranquille. Mais quand je tryhard en fin de saison, j'ai le réflexe de lire le chat et ça me fait perdre des games. Du coup, j'ai le somme. On aurait pas une belle boule de feu. Là, par contre, la boule de feu, elle va être tendue. Parce que c'est pile poil quand l'archer... On en a eu un. Pile poil, ça fait plaisir. Le gang qu'on va envoyer juste là. Bon. Ok. Oh non, non. J'aime pas cette mousquetaire. Elle me met tarif à chaque fois. Là par contre c'est pas mal. Oh les bats. Oh il va rien avoir. Il panique. C'est le moment de partir. Pas du tout. C'était vraiment pas le moment de partir. On est parti quand même. Donc maintenant on se démerde avec ça. Est-ce qu'on peut remettre la pression avec des chauves-souris? Bam, combo mineur. C'est pas mal ça. Ok. Oh, il a un sorcier de glace, what? Ok. Pourquoi pas, la boule de feu qui va partir ici, qui va toucher tout le monde. Je dis oui, monsieur. La bûche qui est partie un poil tard. On est vraiment sur un 2 de tension actuellement. Fripon, juste là. Je voudrais défendre un maximum... On pourra pas défendre. Je voulais défendre un maximum ce mortier. C'était le projet à la base.
Attendez, parce que là c'est chaud. Là, hey, deux secondes, j'arrête de rigoler. Je vais me focus parce que je veux quand même la gagner cette game. On a eu les deux. On a eu les deux. Oh oui, oh oui, oh oui, le mortier sur la tour, j'avais pas vu. La bûche qui va partir. Et mesdames et messieurs, c'est une victoire incroyable du joueur français. Le finish était beau. Vous me l'accordez ou pas? Le finish était beau. Il n'y a pas eu un problème de lumière d'ailleurs. Je suis pas sûr. Bref, j'étais dans la game les gars. Là, je sais pas si vous avez vu. J'ai switché en mode tryhard 2 secondes. Ça nous a fait gagner la game. Ça nous a fait gagner la game, plus 30. Là, on est reparti, les gars. Là, on est reparti comme Jar Jar. Et on est en 13-6, c'est solide. C'est pas trop mal. Alors, on récupère les 5000 gold, évidemment, comme d'habitude. On n'en a jamais assez. On arrive bientôt à 2 millions. On est blindé, vraiment. Et attendez, faut aller copier le deck de notre adversaire, qui était un deck un peu chelou, avec un sorcier de glace, mais sans tornade. Il n'y a pas de win con. Ouais, si, il y a un mineur. Il y a un mineur. J'avoue. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je suis pas forcément convaincu de celui-là, mais bon. On a combien d'abonnés, les gars? Parce que je guette. Je guette de ouf. On est, les gars, il manque 115 personnes. Est-ce que parmi vous, est-ce qu'il y a 115 personnes parmi vous qui ne sont pas abonnés à la chaîne? Parce que si vous ne l'êtes pas, c'est le moment, histoire qu'on fasse passer le compteur d'un millier. Ça serait vraiment très cool. Pendant qu'on y est. Et bonne nuit à tous ceux qui vont se coucher, évidemment, je vous vois dans le chat. Bonne nuit à vous, merci d'avoir suivi le live, ça fait plaisir. Très PS IPM grâce à la Vissal. On n'est pas sur le même truc à qui là actuellement. C'est pas vraiment ça. Alors, on est reparti. Et je vois dans le chat, ouais, j'avoue, ça parle des 300k. Ouais, j'avoue que les 3... Non, les 300k, je les attends. Les 300k, les gars, bah, de toute façon, chaque centaine de milliers, c'est une étape. Chaque centaine de milliers. Surtout qu'en plus, là, c'est les premières. Donc, les 100 000, c'est énorme. Les 200, ça fait quelque chose. Les 300, ça va aussi être pas mal du tout. Mais, ouais, bon, après, on a le temps. Hein, pour les 300, on en a pour un bon mois, à mon avis. Alors les archers, je sais pas où les placer, on les met là, ça marche, ça fonctionne, on va partir en fournaise tranquille. Combien d'étoiles pour le niveau 3? Loïc, c'est 10 000 le premier niveau, 15 000 le deuxième et 20 000 du coup le troisième. Et je vois que ça fait plusieurs fois que ça parle de Inox Tag dans le chat. Oui, oui. Je fais une apparition furtive dans la vidéo de Inox Tag. C'était un peu YOLO. Mais oui, c'est bien moi le mec derrière. Ok, là on n'est pas bien. Pour info. On n'est pas bien du tout. Je ne sais pas comment défendre ça. Je vais essayer de caler. Oh le zap. Comment on a défendu ça? Comment on a défendu ça? Écoutez, la tour a tenu, c'est l'essentiel. Ok, fournaise. Le mec va insister quand même. Hein. Il veut vraiment aller chercher cette tour. On va refaire la même. On va refaire exactement la même. Oh là là, cette gestion de la part du joueur français. Phénoménal. Incroyable. Du jamais vu dans le milieu. Ah, ça m'arrange pas. Il me bloque bien à chaque fois, hein, c'est terrible. Je vais partir PK. On va partir PK fond de map, c'est pas trop mal.
Parce que là normalement le PK il devrait avoir du mal à l'arrêter. Surtout s'il a tout balancé, il a que des gardes hein. Il y a grave moyen. Il y a grave moyen de faire passer ce PK. Oh non, il y a... C'est le bordel. C'est le bordel. Il y en a de partout. Ah dommage. Allez, 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 allez. Non, il va mettre les gardes, c'est sûr. Oh quoi que. Ouais, il va mettre les gardes. Il va mettre les gardes. J'ai loupé le ballon. Ah, j'ai loupé le ballon, j'ai loupé le ballon, j'ai loupé le ballon, j'ai loupé le ballon. Ah, dommage. Good game. J'ai essayé de forcer avec le PK. Pas une bonne idée malheureusement. Mais tout, il n'a pas le droit d'avoir une TDE dans ce deck là. Il n'y a pas de TDE dans le molosse ballon. J'ai le seum. J'ai un peu le seum. Non, c'est dommage. On n'avait pas de sort en fait. On n'avait pas de sort pour aller chercher les trucs. On n'avait pas grand chose pour aller soutenir le PK. Ah, elle était pas ouf cette battle. On ne veut pas vous mentir. C'était pas du beau jeu. On n'y comprend rien à ton combat. Non, en vrai, j'aurais pu faire une game de 6 minutes sans forcer parce qu'on arrivait à défendre tranquille en fait. Mais c'était relou. Du coup, je suis parti en PK et on s'est fait massacrer parce qu'il y avait une T2 en face qui n'était pas censée être là. Ton deck n'était pas super. Ouais, il était bof. Bon, écoutez, c'est pas grave. Attendez, j'ai oublié de mettre la défaite. Pas escroqué non plus. Hop. Bon, ouais, c'est un peu mitigé là. Depuis tout à l'heure, on fait des trucs moins cool. Il y a des games pas ouf. On va essayer de s'en sortir. Attendez, j'ai un coffre à ouvrir. On va essayer de s'en sortir avec le molosse ballon. On va voir un peu ce que ça donne. T'as bien joué quand même. Non, j'ai un peu le seum. Il était bon le burger. Oui, donc attendez. Pour ceux qui n'ont pas suivi, du coup, je me suis retrouvé en fait dans une soirée. Je me suis retrouvé à aller manger un burger à la va-vite à la Paris Games Week. C'était ce week-end. Et il se trouve que je me suis retrouvé avec Inox Tag qui du coup a vlogué le truc. Et du coup voilà, il y a un passage dans sa vidéo Paris Games Week où du coup je suis là parce que j'étais parti pour manger des burgers avec eux. Et c'était grave bon. On va pas se mytho, le burger était grave bon. Et le jus les gars, le jus avec était incroyable. Ça c'était pas du mytho. On s'est pas fait payer. On s'est même fait virer du resto parce que ça fermait. C'est pour ça qu'on a fini, on a mangé dans une sorte d'allée, enfin même pas une allée, c'était une sorte de hall d'immeuble. Il faisait noir, il n'y avait plus de lumière, c'était le bordel. C'était le bordel. Mais c'était marrant. Alors, on est parti, Molos. Ah, les gars, Molos ballon là, on peut pas perdre. On connaît le Molos ballon quand même. Ah, batterie faible. Ça c'est pas... Attendez, ça c'est pas le plan. Je vais charger le truc. Parce que si on a plus de batterie en live, ça serait un petit peu embêtant hein, pour la diffusion, n'est-ce pas? Le mini PK qui va pas faire grand chose face au Molos. Ah ouais, par contre le bourreau lui, il va faire un truc face au Molos. Et ça c'est pas cool. Par contre on a il a mousquetaire derrière qui va faire le travail. Regardez ça, qui va taper sur la tour et qui va se faire plaisir. Ok, ça c'est good. Bon, par contre, s'il met autre chose, là je suis mal. Donc il y a moyen que je défende avec une tour de l'enfer. C'était un peu osé, j'avoue. Pas forcément nécessaire. J'ai pris une voix de commentateur de... C'est le mec qui fait le reportage là sur la 2. Ouais, on est d'accord. J'ai des tics comme ça de télé. Mousquetaire, juste là. Je suis partagé entre eux. Je force comme un bourrin. Et je tempo tranquille. Finalement, on va faire un peu un mix des deux. Hop. Ça, c'est bon. Molosse de lac. On va faire partir dans le fond du terrain. Bon, là, maintenant, c'est le moment où il va remettre un GR. Ok, le met dans le fond du terrain. Ça m'arrange en vrai. Garde ici. Mousquetaire là.
La T2 qu'on va préparer ici. Ok, tranquillou, on défend ça. On va mettre des flèches ici. J'ai pas kiffé la foudre, je vous le dis, au passage. Par contre là je pense qu'il y allait un peu trop fort. Je pense que le GR fond de map c'était un peu risqué. Surtout que derrière nous on peut aller mettre la pression avec le ballon directement sur la tour. Après il a potentiellement une tornade hein, parce que ça m'étonnerait qu'il joue bourreau sans tornade. Sans surprise. Bon j'avoue je suis deg parce que j'espérais qu'il en ait pas. Mais bon, c'est pas surprenant non plus. Oh non 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 non, mais pas le dernier. Là j'ai le seum. Là j'ai le seum. Là j'ai le bon gros seum. Ah, ce deck il était nul. Ah, en vrai ce deck il a aucun sens. Molosse ballon avec la TDE. Non j'ai le seum. Non j'ai le seum. Voilà j'ai le seum. J'ai le seum. S-E-U-M. S-E-U-M. C'était gagné. Mais ouais, non mais c'est relou. Il avait le bourreau tornade. C'est trop fort bourreau tornade en ce moment. Bourreau tornade contre ballon, bah GG well played. Enfin, molosse ballon, qu'est-ce que je fasse? Ah là, j'ai le seum. Bon après, ça va, on a un bon deck. Là, celui-là de deck, il est bien. Il est quand même équilibré. T'as deux sorts, t'as le bourreau tornade. T'as ça qui fait pas mal de dommages. T'as l'aérien pour aller supporter les géants royales. T'as ça pour tanker. Le deck est bon. Donc là, on est obligé de gagner la prochaine. Et d'ailleurs, attendez, on est à 1. Ah, je sais pas si vous voyez sur le truc. On est à 1. Une personne des 287 000. Une seule personne. Bon, après, le compteur, il a un peu de retard. Mais on est à une seule personne, les gars. Un abonné. Et le compteur va tourner dans quelques temps. Incroyable. Ok, on a du prince ici. Ok. Oh non, 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 non. Non, 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 le prince qui charge à un PV. Plus ça va, plus j'ai le seum dans ce live. Alors bon, en vrai ça va, on s'en sort. On a pris un petit peu cher sur la tour. Mais ça passe. Faut que je me concentre. Faut que je me concentre. Ah voilà, ça a tourné. Les 287 qui sont là. Merci à vous les gars, ça fait plaisir. Ça fait très très plaisir. Plus que 13 000 pour les 300. Ah les 300, je les attends. Ah, quand ce chiffre là, le premier chiffre tourne. Ça c'est le bonheur. Ça c'est le bonheur. Les 300, ça commence à être un peu sérieux quand même. Ça commence à... Bon, t'arrives, bonjour, j'ai 300 000 abonnés. C'est pas mal. C'est une petite fierté quand même. Alors attention, le bourreau qui découpe tout. Là, il y a moyen. Là, il y a moyen. Là, on go. Le petit GR qui va arriver. Le bourreau derrière qui va faire le travail. Oh, il va éclater le gang. Comme il faut. La défense tranquillou. Mini PK qui fait le travail. Des flèches sur tout le monde. Et on est reparti. On est à égalité actuellement en termes de points de vie. Donc ça c'est good. En vrai je peux limite tanker comme ça. On s'en fiche. Ha. Le mec qui n'a plus aucune foi en l'humanité. Bon allons-y. Pourquoi pas. Ça fait pas de mal. Ok là par contre le cochon il va se faire éclater. Et en vrai, je vous jure, j'ai les flèches. J'aurais dû flèche, j'aurais pré-shot le truc, ça aurait été un move de génie. C'est parti, géant royal, il va être tanké par tout le monde. Là, on envoie les flèches pour aller gérer la princesse, c'est quand même plus intéressant qu'un gang. Et là, on se met tellement bien, regardez ça. En vrai, j'ai même pas eu l'impression de forcer sur cette game. J'ai joué mon truc tranquille, tout va bien, le dernier coup, la foudre, et c'est terminé.
Ça c'est fait. Dès qu'on a un bon deck, ça va, mais tout seul. Tout seul. Bon, par contre, j'ai quand même envie de finir sur un ratio 2 tirs 1 tiers. Donc faudrait qu'on aille chercher les 16 victoires, 8 défaites. Au moins. Ça serait pas mal. Alors, on en est où? On est bientôt à 4000 pouces bleus d'ailleurs, merci à vous. Vous êtes en forme encore, et je sais pas quelle heure il est là. Ah, il est bientôt 23h. Vous êtes en forme, ça fait plaisir. Ah, attendez, faut que moi je suis plus en forme, j'ai oublié le principe du live. Alors, on va jouer un petit deck cochon. Il a l'air sympathique ce petit cochon prince. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui me parlait du cochon prince là tout à l'heure dans le live. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans le chat là qui me parlait du cochon prince tout à l'heure? J'ai vu le truc passer, j'ai pas répondu. Mais j'ai vu le truc passer. Tu peux montrer ton profil si tu veux, mais mon profil il est pas ouf. Hein. Parce qu'en fait, tous les trucs intéressants de mon profil, toutes les belles perfs que j'avais faites, elles se sont toutes fait effacer. Donc j'avais des top 1000, des top 2000. Pff, ça c'est passé, on sait pas trop où. Du coup, j'ai refait un top 7000 la dernière saison pour avoir un top 10000 sur mon profil. J'avais des stats de tournoi qu'ils ont enlevé. J'avais genre gagné, je sais plus combien de. J'ai 26000 cartes, je crois, en tournoi, un truc comme ça, en 500 games. Ça aussi, ils l'ont enlevé. Bon, j'ai un peu le seum, parce que maintenant j'ai un profil classique. Bon, voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Alors, on est parti avec ce deck du coup qui est pas trop mal. Je pense que ça va aller. Je joue pas souvent cochon, mais ça devrait aller. Allez, bonne chance. On va voir un peu ce que ça donne. Petite partie de lockbait avec un cochon rapide. Ça nous plaît. Pas trop quoi faire ici, j'ai envie de partir en Valkyrie. Histoire de protéger quand même la princesse. Ah bah oui. Bah oui, forcément Ashtax. Il y a un bourreau. Évidemment qu'il y a une tornade derrière. Je crois que j'ai vraiment le seum sur cette fin de live. Enfin cette fin de live. On va pas terminer mais... Ok, gang de gobelins. Attendez, on va remonter la chaise. On va se caler un petit peu comme ça. Ah, là on est bien. Là on est posé. Là on est calme, on est dans la détente. Petit prince ici. Ok, pour l'instant c'est pas trop mal. On part à droite. Évidemment le bourreau. Oh, le bourreau qui va se faire complètement gérer par contre. Parce que là, il y a quand même une méga qui est en plein sur lui. Oh, la tornade qui était nulle. Est-ce que le bourreau se retourne? Oh oui, parfait, regardez ça, ce move de pro player. Incroyable, incroyable. Il y a Zilis qui m'a appelé, il m'a dit frérot, c'est phénoménal ce que tu viens de faire. Ah, ça c'est moi. Bon, il vient de me rappeler, il vient de me dire que c'était pas ouf en fait. Bon, c'est pas grave, ça gratte un petit peu, tout va bien. On va tamper encore une fois. Cette tour, elle a du point de vie. Donc on est tranquille. Il doit partir en cochon quand même. Il a beau avoir un bourreau, il est obligé d'utiliser la tornade derrière. Ça reste relou pour lui. Il est pas du tout obligé d'utiliser la tornade derrière. Ça reste relou pour moi. Je suis pas dans le meilleur des mondes là actuellement. Ah, je suis vraiment pas dans le meilleur des mondes actuellement. Oh la tanasse. Et en vrai, j'ai défendu. Je sais pas comment. Je sais pas. Je me demandais pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas comment j'ai. Non, il y a encore un bourreau. Virez-moi ce bourreau. Virez-moi ce bourreau. Je veux pas la perdre. Je veux pas la perdre. Je vais la tryhard. Je vais la tryhard comme Jaja. Ok, là il est en train de trop forcer je trouve. Là il n'y avait pas besoin de tout ça, une tornade en plus.
Ça fait vraiment beaucoup. Ah, dommage. Non, mec, un coup, mec, un coup. Ok, c'est bon, il a mis qu'un coup. C'est pas exactement là où je voulais pousser la Valkyrie. Là, le sorcier, mais bon. Ça va être compliqué, en vrai, pour aller jusqu'à la tour. Princesse ici, ça met un peu de pression. Ça va être relou pour lui. Ça force un PK, c'est pas trop mal. Ah, ça c'était pas ouf non plus. Joueur français qui est en train de faiblir. Ça va taper en plus. Je sais pas comment faire là les gars, en vrai. Je sais pas quoi vous dire, je sais pas comment faire. Good game. Je pouvais rien faire, je ne pouvais rien faire. Sur la fin, j'étais bloqué, il avait toutes les défenses. Là, franchement, je pouvais rien faire. Alors attendez, je vais changer le score. On est vraiment sur des decks... bon, il y a des défaites que j'aurais pu éviter, mais il y a vraiment des decks pourris quand même. Celui-là, en l'occurrence, là, franchement, si vous avez vu un opening, je sais pas comment faire, hein, mais... Je pense par contre ce deck va être mieux déjà. Ce deck il semble plus équilibré, il y a de la défense, il y a de l'attaque, il y a les sorts qu'il faut, il y a du bâtiment. Avec ce PK on devrait gagner. C'est toujours la même histoire. Dès qu'on a un bon deck, on déchire le mec en face. Là ce deck cochon... J'ai pas envie de rester sur une défaite, let's go. On tape au moins un 15-9 les gars. Au moins le 15-9. On est contre Nour. C'est parti, bonne chance. Ok, c'est parti, chevaucheur de cochon, juste là. je vois qu'il y a tout le monde, il y a la team, il y a Ruru dans le chat, je vois Léa. Il doit y avoir JS qui est pas trop loin. Merde, Arkix. Non, j'ai pas rien. Voilà, vous m'avez encore déconcentré là, JS. C'est encore de la faute de JS, c'est encore de la faute de JS. JS, je te déteste. C'est de ta faute tout ça. À chaque fois que tu arrives sur un de mes lives, à chaque fois tu me fais perdre. C'est quand même terrible. Et merci à toi. J'ai loupé ton pseudo. Merci à toi. Ezox, tryhard on. Ah non mais là comme Jaja. Non mais là je perds pas deux fois d'affilée. Je vais surtout pas faire ce plaisir à JS qui attend que ça. Ok. Non là les gars, j'ai pas de capuche. On va juste rester comme ça. C'est très bien sans capuche. Alors là je veux vraiment pas la perdre. Donc là l'idée c'est tryhardon. Je veux pas donner de la value à l'Arkix. Donc je vais partir dans le fond du terrain. Lâche tempo. On sait qu'il a la roquette. Donc il peut mettre la roquette, il va pas le faire. On sait qu'il a une tornade, mais il a déjà activé la tour du roi, donc c'est pas grave. Là, je vais juste envoyer un chevaucheur ici. On va envoyer une bûche là pour aller gérer le sorcier de glace, tranquillou. Dommage, ça touche pas la tour. On avait le bon espoir. On place la fournaise un peu loin pour obliger l'Arkix un peu devant. TMTC. Ok. Et là on va partir PK fond de map. Pourquoi toujours pour que son Arkix ne serve à rien? Parce que plus son Arkix ne va servir à rien, plus il aura gâché 6 élixirs. Donc on part vraiment dans le fond du terrain. Ah par contre le bourreau encore une fois, c'était pas une bonne idée, on rappelle qu'il a la roquette. Là il prépare un truc à gauche. Ok, la roquette qui est là. Comme il veut, hein. Soit. Pas forcément hyper intéressant, le PK qui va découper tout le monde, donc ça c'est cool. Le cochon qui va partir, on peut mettre un poison, ça passe. Et évidemment, l'Arkix qui part à gauche, on va tanker avec un PK.
Ça devrait tranquillement le faire. Le bro qui va partir ici aussi. À tout moment, on décale à gauche. Hein. Vraiment, il n'y a aucune honte à ça. J'ai paniqué un petit peu, j'avoue. Putain, on a pas le droit de perdre avec ce deck. J'ai paniqué sur le PK. Je l'ai mis trop près, j'ai pas fait exprès. Oh, ça retape pas une deuxième fois, une dernière fois. Là, c'est bon, il a la roquette. Ah, le seum, le match-up qu'on peut pas gagner, quoi. Alors que pourtant, ce deck, il est pas mauvais. Hein. Ce deck PK, il était pas mauvais. Et là, l'Arkix, il nous a éclaté. Ah, les gars, j'ai le seum. On a pas de bol sur cette fin de live. On a vraiment pas de bol. Ah, j'ai vraiment le seum. J'ai vraiment le seum. Donc là, si je veux finir en deux tiers, un tiers, faut faire 6 victoires d'affilée. Faut faire 6 victoires d'affilée. Arkix, c'est ça, c'est vraiment cancer. Non, mais là, on avait la pire version en plus. Là, franchement, les gars, regardez 2 secondes le match-up. Regardez 2 secondes le truc. On avait la pire version pour aller gérer l'Arkix. On pouvait vraiment rien faire. Bourreau Tornade, il sert à rien. Le PK, il peut tanker, mais globalement, il va rien découper du tout parce qu'il n'y a rien à découper en face. Le cochon, il se fait counter par la Tesla et la Tornade. Et la Fournaise, elle fait office de... Enfin, elle fait figuration. Vraiment, on avait le deck, mais qui se faisait hard counter par l'Arkix. Et là, maintenant, 6 victoires d'affilée ou rien. C'est dit, c'est fait. Selon Ruru, t'avais 63% de chance de win. Non mais Ruru, il dit n'importe quoi. Voilà, au bout d'un moment, il faut le dire. Je ne pouvais pas gagner. Non, soyons sérieux deux secondes. Je ne pouvais pas gagner. À tout moment, je pars en BO3 avec ce match-up contre Ruru. je vais un petit peu le massacrer, là, histoire de lui faire passer ses win rates. Qui n'ont aucun sens. C'est scandaleux. Et l'Arkix. Oui, parce que j'ai pas le temps, monsieur. Ah mais non, mais non. Arrête, arrête. Je joue Arkix et le mec me joue séisme. C'est une blague. C'est une boutade. Qu'est-ce qui se passe? Je prends l'accent du sud, moi. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il passe, ce qui se passe? La Tesla qui va gérer ça. On est déjà pas bien. On est déjà pas bien. On va tamper un petit peu quand même parce qu'on rigole, on rigole, mais tranquille. On va tempo. Le truc c'est que je sais pas jouer Arkix hein, d'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit. Mais je ne sais pas jouer ce deck, donc j'essaye d'improviser. Pour l'instant je tempo parce que je le sens pas avec la T2 en face. Il suffit qu'il me mette un... Je sais plus ce que j'allais dire. Voilà, donc voilà. Si, une TDE, il suffit qu'il me mette une TDE. Oh, attendez! Attendez, est-ce qu'il n'y a pas une ouverture? Est-ce qu'il n'y a pas un truc? Actuellement, avec l'Arkix, juste là. Est-ce que ça peut le faire? Je vais mettre une bûche. Je vais mettre une bûche. Ça sert à rien. J'ai mis une bûche pour rien. C'est pas grave, ça focus sur la tour. On va tout défendre. On va évidemment défendre. Hein. Vous vous en doutez. On va pas laisser notre Arkix s'évader comme ça. Et là, c'est bon. La tour, elle est... Oula. 1, 2, 3. La tour est à portée de roquettes. Maintenant, c'est la full défense. Ah, les gars, je vous l'avais dit, il ne peut rien faire. Il a pareil, il a cochon. Hein. Comme moi tout à l'heure, il ne peut juste pas passer. On peut partir à gauche tranquillement. On fait notre vie dans le plus grand des calmes. Regarde la bûche qui va partir sur tout le monde en plus. C'est absolument parfait, c'est absolument nickel. Regardez ça, on va réinstaller une Tesla ici. Pas ouf cette Tesla. On a vu mieux comme Tesla. Mais tout va bien. On va repartir. Là, je mets juste la pression. Hein. Vraiment, ça sert à rien ce que je fais. Je bourre un peu n'importe comment. Mais ça le force à défendre. Et c'est l'essentiel. YOLO.
Good game, well played. Ouais, cet Arkix, vraiment, c'est trop fort. C'est juste trop fort. Good game, well played. On n'avait pas le droit de perdre avec ce deck. Non, mais soyons sérieux deux secondes. On n'avait pas le droit de perdre avec ce deck. Ça fait du 15-10. Bon, c'est pas trop mal. Mais je veux mon 20-10. Je veux mon 20-10. Et pendant ce temps-là, on a eu un don de la part de Nicolas. Nicolas Roussari, content de te revoir en live sur CR. Merci à toi. En plus, un gros don. Merci à toi, Nicolas. Ça fait super plaisir. Et moi aussi, je suis content de revenir. Moi aussi, je suis très, très content de revenir. Ça faisait super longtemps. Et j'aime bien faire ces petits lives et tout. C'est assez cool. Et on a un don de Ruru également, Ruskov. Selon JS, tu vas rush les 3800 trophées. You can do it. Non, en vrai, hey, moi au moins, JS, non seulement je joue pas des vrais decks, mais en plus, je gagne. Regarde, je suis en positif. Prends-en de la graine, JS. Prends-en bien de la graine. Je vais me prendre un karma. Je sens que je vais me prendre un karma. C'est obligatoire. Ah oui, j'avais pas vu le deck. Ok, bon, c'est ça. Non, ça va. En vrai, ça va. C'est du cochon de séisme. Assez rapide avec un petit composant bait. Ça peut le faire. Ça peut passer. Bon. Ça peut le faire. On va tenter. Là, les gars, j'ai plus le droit à l'erreur. Là, les gars, je n'ai plus le droit à l'erreur. On s'est fait rattraper. On a eu un moment de faiblesse. On va dire ça comme ça. Là, je veux 5 victoires d'affilée. Je veux 5 victoires d'affilée. On est contre Vovec. Du clan choc. 5 wins d'affilée, les gars, je vous le dis. On les fait. On les tape direct. On est motivé. On est sur la tryhard dure de fin de soirée. Ça va être relou. Ça va être très très relou. J'aurais dû balancer feu à Barbara avant. Je me suis planté. On va faire un truc comme ça. J'ai pas fait un move de ouf. Là j'ai un peu bégayé sur ce move. Ça va quand même faire un truc. On met quand même deux coups de cochon. On a la princesse derrière pour aller défendre. On s'en sort à peu près. Ah, on s'en sort pas. Je pense que j'ai dépensé un peu trop encore une fois pour rien. Mais ça va. Je veux la gagner, les gars. Je veux vraiment la gagner. Je veux vraiment le faire. Cette voleuse m'insupporte. Cette voleuse... Là, pour le coup, j'ai rien pour aller vraiment tanker la voleuse. Enfin, si. Je vais garder le golem de glace. On va faire ça. Mais le deck va être relou à gérer, quoi qu'il arrive. Ah, j'ai pas mis le dart. Oh, il s'est planté. Il s'est planté, on y va direct. Ça met un coup, ça met deux coups. Ça met les deux coups. Ok, donc il a une foudre. Ce qui m'arrange pas évidemment avec la TDE. Quel plaisir. J'ai pas du tout envie de mettre le golem de glace parce que je le garde pour la voleuse. Tant pis, on va se faire gratter. Et là, la voleuse, il va la mettre maintenant. Raté. Bon, il allait la mettre de toute façon pour la... Pour la princesse. Je devrais aller gérer la charrette, please. D'accord, très très bien. On va devoir ajouter ça. C'est pas ouf. Oh, c'est un golem. Ok. Ok, oui, tu me diras, c'est un golem. Il y avait un petit peu tous les indices quand même. Hashtags. Oh, réveille-toi. C'est pas entièrement faux. Je vous l'accorde. Pourquoi est-ce que j'ai mis la TDE très tôt? C'est parce qu'on va se prendre une foudre dessus et ça on le sait. On n'est pas bien là. On n'est pas bien du tout là. On n'est pas bien du tout là. Ah, j'ai pas réussi à défendre, c'est une blague. Ah, j'ai encore le seum. Ah les gars, on faiblit. Là franchement, il y avait moyen de la gérer. Il y avait totalement moyen de la gérer. Je sais pas ce que j'ai fait. La défense a pas tenu. Enfin si, il a mis une bonne charrette à gauche en fait. Il a mis une bonne charrette à gauche et j'ai pas réussi à cycler sur ma deuxième TDE. C'est dommage là, ça va pas, on faiblit en fin de live. Ça y est, ça fait 2 heures qu'on est en live. On joue moins bien.
Ou alors c'est JS, hein, c'est JS qui me porte la poisse. Non mais ça doit être ça en fait. Qu'est-ce que je me mets la faute dessus? Évidemment que c'est de la faute de JS. Évidemment que c'est la faute de JS. Bon là ça va. On a un bon deck, on a un golem. Tranquille, je connais le truc. On n'a pas le droit de la perdre. Là, celle-là, ça c'est du 16-11. Ça c'est du 16-11, c'est sûr. Y a pas de souci. J'ai encore de rater une voleuse. On est tous témoins. Non, en vrai, faut qu'on la gagne. Il y a quand même un seuil que je veux pas atteindre. Normalement, on est bien parti. Mais je voudrais faire mieux que le live précédent. Et le live précédent, si je me souviens bien... Bon, alors, on avait eu deux bugs de co. Mais, si je me souviens bien, on avait fait du 15-15. Ça serait bien si on pouvait faire mieux que 15-15. Donc, juste une victoire et on fait mieux que la dernière fois. Mais j'aimerais bien monter un petit peu le score, le niveau. Histoire de mettre un petit peu de challenge. Mais non, mais le Dark qui est pas focus, enfin qui est sur la tour. J'aime pas ce jeu. Je n'aime pas ce jeu, on a pris tarif. La zen attitude. Soyons zen, tout va bien. Dans le meilleur des mondes. On va faire un peu d'ASMR. On va se calmer. Et on va mettre un push, mon gars. Ah, en double élixir, le gars il va avoir flou. Babou, je suis désolé. Tu vas avoir flou. On t'en prend encore un peu. Tranquille, on attend 20 secondes. Et on va te mettre un push golem fond de map. En vrai, on peut y aller maintenant. En vrai, on peut totalement y aller maintenant. Allons-y. Et là, les gars, tout droit. On n'a pas besoin de défendre à gauche. Ça sert vraiment à rien parce qu'on n'a pas perdu la tour de droite encore. Je sais pas si on peut... Ouais, on va tenter de mettre un bébé dragon là et de faire rediriger à droite après. Non, le bébé... Non, c'est pas là en fait que je voulais que t'ailles. C'était pas ça le projet. Bon, on va avoir une voleuse du coup qui va faire le travail. Charrette derrière. Ah ouais, il a des défenses violents quand même. Il a mis la dose là quand même. Ça devrait passer pour nous. Normalement, il n'y a pas de souci, la charrette qui est là. Ok, c'est nickel. La charrette qui est sur la tour, on va y aller carrément au pont pour le golem. Là, normalement, ça devrait passer sans trop de soucis. Bon après il a toujours une tornade, ce qui reste embêtant. Mais normalement ouais on est très très bien, regardez ça. Il remet un baril, je défends mais c'est vraiment juste pour la forme. On va prendre la deuxième tour, directement. On peut même presque essayer de prendre la troisième. En quoi que, même avec les bats ça va être un petit peu short. Good game, well played. Ça va, golem foudre les gars, je maîtrise. Golem foudre je maîtrise et du coup on fait quand même mieux que le live dernier où on avait fait du 15-15. On est actuellement en 16-11. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On a encore... Eh, les gars, on va se dire... On fait encore 3 games. On fait encore 3 games. On en fait 30 au total dans le live. Et on voit ce que ça donne. On voit comment on finit. Avec quel score on finit. Je vais essayer quand même d'aller chercher le 19-11. Ah non, mais là, les gars, on arrête de rigoler, là. J'en veux monter. C'est du lockbait en plus. C'est du lockbait, on connaît le deck, on sait le jouer, on devrait gagner. J'ai plus d'eau, en plus c'est terrible. On fait 3 games pour 3 défaites. Mais non, et ça a pas vous avez pas confiance en moi sur le chat. T'étais en 15-15, j'étais en 15-15. En fait là c'est c'est l'épisode 2 de je copie les decks de... Ah oui non, si là j'ai le titre. Je copie les decks de mes adversaires à chaque partie. Là, c'est l'épisode 2 parce que vous aviez vraiment kiffé l'épisode 1. J'avais kiffé le faire aussi. Je me suis dit, vas-y, ça va devenir... j'ai envie de faire un épisode 2 et ça va peut-être devenir un live régulier sur la chaîne. Je trouve ça cool comme principe pour Rush en début de saison. Mais j'aimerais bien augmenter mes scores, là, faire de mieux en mieux. D'ailleurs, il est pas centré, ce score. Mais depuis tout à l'heure, il est absolument pas centré, ce score. Et vous m'avez rien dit, les gars. C'est centré, là, ou pas? Attendez, merde, il y a un dard. C'est centré, là, ou pas? Pourquoi vous m'avez rien dit? Ah, ça va me gêner. Ah, ça va me gêner, les gars. Bref, calmons-nous. C'était pas centré. Pourquoi vous m'avez rien dit? Y a pas plus horrible que ça dans la vie.
On a fait une défense là, incroyable. On contre-attaque, direct la même chose. Oh là là, c'est incroyable, regardez ça. Bon, par contre, du coup, ouais, la bûche elle est moins incroyable. Oh là, ouais, bon, c'était. Ça servait à rien en fait. Je me suis enjaillé pour rien. Par contre, attendez, parce que Lockbait contre Lockbait, ça va aller très très vite comme battle. La moindre erreur est fatale, et d'ailleurs, on est déjà derrière MDR. Ok, attendez, on va se concentrer. On va se concentrer. Un camp sur la gauche. Non, mais attendez, les gars, il était tout à droite. Ça va pas du tout, j'arrive pas à voir s'il est bien centré. Là, c'est bien ou pas? Ah, c'est pas mal. Mais là, il était totalement à droite, les gars. Il s'était barré. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas du tout, ça. Voilà, attendez. Parce que. Non, sans déconner. On rigole, mais je veux quand même ma victoire. Donc, attendez. Là, c'est le moment de tryhard, quand même. Fuis à gobelin juste là. Il va falloir que je trouve un truc. Je pense qu'il faut que j'essaye de pré-shot son gang avec mon gang. Son baril avec mon gang. Ah, c'est pas comme ça que je voyais les choses. Là par contre on va essayer de bait. On va envoyer le truc derrière. Question est, est-ce qu'il va le voir? Il l'a totalement vu. Oh oui, le prince! Oh, mais oui, monsieur! Regardez, c'est dommage! C'était pas du tout fait exprès. Enfin, un peu. Non, pas. Non, non, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. C'était pas du tout fait exprès. J'essaie de mettre un peu la pression. Oh oui, je l'ai eu! Je l'ai eu! Regardez ça, c'est incroyable! Et là du coup on est grave bien. Là les gars on la bait mais comme jamais. Là il s'en veut tellement. Et là il va essayer de faire la même. Non, il le met sur la tour. Très bien. Oh, je me suis pris le coup. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Mais c'est pas grave les gars. C'est quand même une victoire. Regardez ça, c'est incroyable. Je tampons un peu quand même. Est-ce qu'on peut avoir ça comme ça? On va mettre une. Oh bah non, bah, la princesse. La princesse qui va finir tranquille. Pas besoin de la roquette. Good game. Well played. Ça c'est fait. En vrai on a bien joué ou pas? Là les gars on a bien joué. Là je pense que vous pouvez me l'accorder. On a fait des beaux trucs. On l'a un petit peu déstabilisé. On mérite notre victoire. On a mieux joué notre bait. Et ça fait du 17-11. Utilise la tornade pour amener le baril sur la tour du roi. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu faire ça. J'ai pas fait dans cette battle. Bon après j'avoue on avait double défense quand même. J'ai pas utilisé la tornade. J'avoue, on avait quand même de quoi gagner. Lui, il avait quoi? Ouais, j'avoue, on avait quand même le match-up. Quand même. Mais bon. Ça fait quand même une victoire. J'en ai rien à faire. Vu les tanas qu'on s'est pris tout à l'heure, les gars, on le mérite. Tu peux faire un live représentation de deck, s'il te plaît. C'est compliqué, les lives. C'est compliqué de faire des live présentation de deck et tout. Je préfère faire des vidéos. C'est plus posé, c'est plus cadré et tout. Pour présenter les decks, c'est plus pratique. Mais de toute façon, t'envoies des lives, enfin hein, t'envoies des decks dans ce live, donc n'hésite pas à tester un peu, à droite, à gauche. Et c'est quoi du lockbait s'il te plaît, Ash? Le lockbait, en gros, c'est le lock, c'est la bûche, donc c'est cette carte-là. Et en gros, les lockbait, c'est les decks qui essayent de bait en fait la bûche, donc d'attirer la bûche sur des cartes. Et du coup, après, en gros, t'essayes d'attirer la bûche sur un fût ou sur un gang de gobelins ou un truc comme ça, et puis derrière, t'essayes d'utiliser les cartes. Comme le gobelin Sarbacane et la princesse, et ton adversaire pourra pas les gérer parce qu'il aura plus la bûche en main. C'est ça qu'on appelle lockbait. Donc ça c'est un lockbait en l'occurrence. Et le deck qu'on avait avant était aussi un lockbait parce que c'est le même principe. Bah du coup on est parti les gars, allons-y. C'est parti, bonne chance. Et évidemment n'hésitez pas, d'ailleurs je le rappelle, j'ai pas beaucoup dit dans ce live, mais n'hésitez pas à mettre des pouces bleus hein, si vous passez une bonne soirée. C'est évidemment très important. Comme ça, ça montrera aux gens de la rediff, hein, aux gens qui arrivent après, que c'était un bon live, que vous avez kiffé, qu'il y a beaucoup de gens qui ont kiffé. Et ça montre que éventuellement vous voulez aussi un autre épisode. Peut-être, j'ai pas envie de le faire trop souvent, mais peut-être dans un mois, un truc comme ça. Si ça vous dit, on pourra totalement le refaire. Non, on a la princesse qui va se faire des pop. Ah, dommage. J'allais dire on peut tornade, mais non.
On a plus le même deck. J'avais oublié ce détail. Et du coup, j'avais pas pensé au cochon. Ouais, ouais, ouais. On va essayer de tanker un petit peu le dart quand même. Oh, il a une Valkyrie. Ok, là on n'est pas forcément très très bien dans cette battle. Parce que là, pour aller arrêter à chaque fois le cochon, on va vraiment avoir du mal. Je pense que sur cette battle, il faut qu'on mette la pression. J'ai pas... Il a quoi comme sort, déjà? Si vous avez vu, vous savez ou pas, les gars? Si je balance un fût, ça fait quoi? Ah, il a peut-être qu'un zap, hein. Ça peut être intéressant. Il a un zap. Il a totalement zap. Le dart juste là. Mais encore une fois, il a une Valkyrie, donc je vais pas mettre la voleuse devant. Pas se faire avoir deux fois. Et on est devant en termes de dommages. Allez, les gars, je veux la gagner. Bon, évidemment, on a toujours cette difficulté-là. Deux, on a rien pour défendre vraiment le cochon. Donc on va essayer d'improviser avec ce qu'on a. Mais non, le cochon qui remet un deuxième coup. J'ai mal timé la bûche. Ok, il a mis la Valkyrie. Ça, c'est intéressant. Pas sûr que j'avais besoin de la princesse sur ce coup-là. Mais du coup, il a plus la Valkyrie, donc je peux tanker. Et je pense que je peux également envoyer un fût. Non, je peux pas. Si je peux. Gobelin Sarbacane pour aller défendre ça. Comme ça, ça défendra aussi les gargouilles derrière. Ça, on le savait. On se prend un coup sur la tour, mais c'est pas très grave. Ça va se jouer en une seule tour. J'essaie de mettre la pression un petit peu là à gauche. À droite. Elle va pas être évidente, hein, la battle. Elle va vraiment pas être évidente parce que là on a du monde qui va arriver à gauche. Il va falloir qu'elle ait une bonne roquette. Il va falloir qu'elle ait une bonne roquette. Parce que là ça y est, là il part. Quoique, pas besoin de roquette en fait. Oh oh oh, regardez à gauche. Oh, regardez à gauche, la tour qui va tomber. Et la roquette qui va partir à droite. Mais oui monsieur, cette remontada. Good game, well played. Et il nous a BM toute la game, le mec. Il nous a BM toute la game. À la fin il a fait, ah merde. J'avais pas prévu ça comme ça. Et bah oui frérot. Jamais lâcher les gars. Ne jamais lâcher. Ça fait 18-11. Non, pas 17. Non, pas 19, 18. 18-11, les gars, c'est pas trop mal. On s'en sort pas mal, non? Qui fait le malin tombe dans le ravin. Ça vous a marqué, ça? Et on a passé les 5004, ça c'est cool aussi. Du coup les gars, dernier deck. Ça, malheureusement, on va devoir jouer le deck qu'on vient d'affronter. Qui n'a pas vraiment de sens, hein, parce qu'on a quand même du double PK avec du bourreau et pas de tornade. Vous le sentez comment? Vous le sentez comment? Moi pas ouf. Je vais pas vous mentir. On va essayer, hein. On va jouer le jeu, évidemment. Ça pue. Mal. Ouais, on est d'accord. 18-12. Ah, d'accord. Vous êtes vraiment pas pour moi, là. Vous pensez une défaite. Écoutez, les gars. Il va falloir que je vous surprenne. Il va falloir que je me dépasse. Je veux le 19... Non, le 19-11. Je le veux. On va aller le chercher. Alors on est face à Ease, mesdames et messieurs, de Team Gox. C'est parti. Ok, déjà on commence. Mini PK pour aller défendre ça tranquillement. On va se prendre quelques coups de gobelins par contre derrière. Bon, c'est dommage, mais c'est pas grave. On va répondre pareil avec un cochon. Évidemment. Comme ça, au moins, on a une battle pas facile. Quel plaisir. Alors, faut la gagner. Non, faut la gagner, celle-là. Faut vraiment la gagner. Bourreau fond de map. Je sais pas trop ce qu'il joue comme sort. Évidemment. On a un deck avec double PK, mais évidemment, j'en ai aucun. Au moment où il envoie un cochon.
On va tempo pour l'instant parce qu'il a clairement l'avantage. Hein. Sur le début de la game, il a un deck plus rapide. En même temps, on joue double PK, ça n'a aucun sens. Oh, quoique, attendez, regardez, on met quand même des allers-retours à gauche. Juste un zap à droite. On est pas mal. On est pas mal. Le bus. Non, en vrai, je pense pas qu'on va mettre de bus avec ce deck. Hein. On va utiliser les PK en défense. Et on va surtout gratter au cochon. Bon, après, à tout moment, ça part en bus. Hein. Si j'ai une opportunité, j'y vais en bus. Hein. Évidemment. Est-ce qu'on peut faire un truc ici? Alors, si je mets une boule de feu... Ah non, ça va taper en même temps, malheureusement. La boule de feu était pas dingue. La boule de feu était clairement pas dingue. Et donc là, on va forcément se prendre un truc à gauche. Genre maintenant. Ok, on a rien. J'ai envie de forcer là. Je pense qu'il a un poil trop... il a trop dépensé d'élixir là. Du coup, je vais essayer de forcer. Je vais essayer de passer comme ça. À tout moment, voilà. Ce que j'allais dire, à tout moment, ça part en boule de feu. Ah, malheureusement, il y a les 3 tours qui vont taper. Donc, j'aurai pas plus. Ok, le PK. Le problème, c'est le bourreau. Hein. Le bourreau tornade me met vraiment mal. Parce que nous, on a un bourreau. Mais pas de tornade, évidemment. Et là, il a plus rien. Ah, si, il a. Ah, il a encore. Il a toujours. Mais c'est pas trop mal. On avance, on gratte, on en va gratter à la boule de feu à chaque fois. Attention les gargouilles, peut-être des quelques coups. Ouais, c'est pas mal. Ok, il a une foudre. Ça, c'était pas prévu du tout. Ça, c'était vraiment pas prévu comme ça. Oh! Attendez, ça va tanker. C'est pas trop mal. Ok, c'est pas ouf en fait. Oh, quoique, c'est pas mal. Un petit coup. Oh non! J'aurais dû zap, j'aurais tellement dû zap. Putain, je suis débile. Ah oui, il s'est planté avec le cochon. Le zap ici pour pas qu'il passe, attention! J'ai presque mis le coup. Je veux vraiment pas la perdre. Ah, il veut me finir la foudre. Il veut totalement me finir la foudre. Je vais pas le laisser, hein. Vous avez bien compris. Non! Gargouille! Tente la foudre! Non! Il a pas mis la foudre. Pourquoi il met pas la foudre? Non, il a la bûche de toute façon. Oh non, les gars, je vous jure, je me suis battu. Ah, j'ai tout donné. Je vous jure, j'ai tout donné. Ah, c'est dommage. C'est franchement dommage. C'était pas loin. J'aurais tellement aimé qu'ils mettent la foudre sur mes gargouilles. Ah, ça aurait été beau. Ça aurait été très très beau. Si t'avais tornade, tu gagnais. Ouais, je pense en vrai, mais bon. C'était tendu, en vrai je me suis bien battu. C'est dommage, à la fin j'ai pas prêché de la foudre. Bah, il a bien joué en même temps, il a juste cyclé sur la bûche. Ah, je vous jure, je me suis battu comme j'ai pu. On finit quand même, attendez, un petit score de 18-12, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, on s'est bien défendu, on a fait mieux que la dernière fois. On a joué des bons decks. Franchement, je suis content. Pendant qu'on a... JS qui me fait des déclarations dans le chat. Sous l'œil de sa meuf.
Il se passe des choses bizarres. Après, bon, les gars, envoyez-moi un message, on peut s'arranger, mais bon. Pas en public. Une rediff. Il y aura une rediff, ouais, Kill You. Il y aura une rediff, je vais la mettre. D'ailleurs, je pense que je vais la laisser après le live. Tranquillou. Elle sera là. Parce que le live était sympa, hein. Franchement, je sais pas si. Dites-moi dans le chat si vous avez passé un bon moment ou pas. Moi, je pense que c'était plutôt sympa. Moi, je me suis bien éclaté. On a fait un bon score, donc je suis content. Et franchement, on a pu jouer des decks un petit peu originaux et parfois un peu pourris. Faut le dire aussi. Mais voilà, c'était très très sympathique. J'ai bien kiffé. Et du coup, il y a pas mal de trucs qui vont arriver. Il y a pas mal de trucs qui vont arriver. Demain, il y aura un petit live sur Brawl Stars qui va être très très sympathique. Sur un event et tout, ça va être très cool. Et samedi, du coup, j'ai pas encore fait mon tirage du défi triple. Mais samedi, il y aura. Je vais essayer de faire un truc sur le défi Mega Touchdown. On verra un petit peu comment ça se passe. Enfin bref, il y a du contenu qui arrive. Je prépare tout ça. Pas mal de trucs aussi. J'ai pas mal d'idées déjà pour novembre. Donc ça va être très très cool. Donc évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche, tout ça, pour comme ça vous êtes sûr de ne rien louper. Des choses très importantes. Le code créateur, évidemment, hashtag sur Brawl Stars. Mais ça, je vous le spammerai demain. Sans aucun problème. Mais donc voilà, attendez, pour finir, on est à combien de winrate du coup? 18 sur 30, ça fait combien? 18 divisé par 30, on est sur 60% de winrate. C'est pas trop mal en vrai. C'est pas trop mal. Franchement, on s'en est plutôt bien sorti et on essaiera de faire mieux la prochaine fois qu'on fera ce concept. Nicolas, merci à toi pour ton don. Deck avec tirage carte, ça serait cool. Tu veux dire quoi? Tu veux dire un live sur ça? Ou est-ce que tu veux dire les vidéos comme je fais avec les vraies cartes? Bon, les deux, de toute façon, c'est prévu. Je te rassure. Dès que je peux faire des decks un peu aléatoires, je le fais. Sans aucun problème. Mais t'inquiète pas, ouais, c'est prévu. Il y a du lourd qui arrive pour la fin d'année. Je m'éclate pas mal en ce moment. Donc ne t'inquiète pas. On va balancer ça en masse. En tout cas, les gars, on va devoir conclure parce qu'il faut aller dormir. J'ai du boulot, moi. Je vais vous faire des vidéos juste après. Ma soirée n'est pas finie. Ça va être très sympathique. Merci à tous d'avoir suivi le live, c'était vraiment très cool. J'espère que vous avez apprécié encore une fois. Moi, je vous dis évidemment à très très bientôt pour de prochains trucs. Je vous l'ai dit, il y a plein de trucs qui arrivent. Mais voilà, c'était très très cool. Merci à vous pour les pouces bleus, merci à vous pour les abonnements, merci à vous d'avoir été là, merci à tous ceux qui ont fait des dons pour les nouveaux sponsors, etc. Encore une fois, un live de folie. Merci à vous et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives sur Brawl Stars, sur Clash Royale. Passez une très bonne soirée et à très bientôt.